Mes chers amis, mes chers chroniqueurs, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'endroit d'où vous regardez l'émission. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous allez bien. Je vais vous donner quelques instants pour vous connecter, pour liker, pour partager, le temps d'aller boire, prendre un café, une boisson, pour vous mettre à l'aise. Et on va commencer notre émission d'ici quelques instants. En attendant, on va saluer un petit peu tous ceux qui rentrent. J'ai vu ici tout à l'heure Baptiste, Otep, bonjour. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai vu aussi Karine Kwame. Bonjour, bonsoir ma chère Karine. Otep, sois la bienvenue. Qui est-ce que j'ai vu encore? J'ai vu Amélie. Coucou, bonsoir, bonjour, je te souhaite la bienvenue. Qui d'autre y est encore dans la place? Poulot, mon cher Poulot, bonsoir, bonjour. J'espère que ça se passe bien chez toi en Europe. Sois le bienvenu. Qui il y a d'autres? Ah! Caro Mama, Otep, sois la bienvenue. Bonjour, bonjour, bonsoir. Parce que certains d'entre vous sont en Europe, donc c'est déjà la fin de la journée. Oui, les amis, n'oublions pas de liker. Là, on va avoir, je pense, une très très bonne conversation. Un sujet extrêmement intéressant avec un invité hors pair. Vous allez voir, vous allez voir. Vous savez déjà qui c'est, mais j'aime bien faire durer le suspense pour ceux qui n'ont pas vu encore les previews, les flyers, etc. Alors, les amis, soyez les bienvenus, installez-vous, installez-vous. Qui a d'autres encore dans la place? Passez le message à vos amis, à votre famille. On a ici un invité très intéressant, on va discuter ensemble. Un sujet très intéressant. Donc, partagez autour de vous. N'hésitez pas à me dire si le son est mauvais, s'il y a un problème, est-ce que vous me voyez bien, est-ce que vous m'entendez bien. N'hésitez pas, faites-moi signe si jamais il y a le moindre problème. Alors, je vais vous laisser encore un petit temps pour pouvoir vous installer. Qui est dans la place? Nicky Larson, Otep, oui, effectivement, merci, on a atteint effectivement les 5 000 abonnés. Ça y est, grâce à vous, les amis. Merci infiniment. Merci. Qui d'autre est là? Dominique, Otep, bonjour, bonjour, soit le ou la bienvenue. Dominique, ça peut être aussi féminin. Son image parfait. Ah, excellent, excellent. Merci, Dominique. Luca. Le son est parfait. Ok, excellent, excellent, excellent. Alors, on va sans plus tarder commencer, les amis. Nous allons commencer notre émission sans trop perdre de temps. Donnez-moi quelques instants, je voudrais être sûr que je maîtrise la technique, que j'ai tout ce que j'ai besoin en main. Alors, c'est parti, les amis, on va bientôt commencer. Let's get ready to rumble! Merci Dominique d'apporter la précision. Tu es une sœur. Merci beaucoup, ma chère sœur. C'était très important. Je ne voudrais quand même pas te genrer et changer ton genre malgré toi. Alors les amis, encore une fois, merci, bonsoir, bonjour et bienvenue sur The African Chronicles. Nous sommes en direct. Aujourd'hui, nous allons parler de l'Égypte antique parce que, vous le savez, quelqu'un avait dit un jour, l'Égypte antique sera à l'Afrique ce que la Grèce antique fut à l'Europe. C'est un certain Cheikh Anta Diop. Oui. Et j'imagine que beaucoup d'entre vous, lorsque vous avez étudié un tout petit peu l'Égypte à l'école comme moi, on vous a dit, on vous a souvent cité les mêmes personnages qui arrivent très souvent. On considère qu'ils ont marqué l'histoire de l'Égypte. On peut citer par exemple Toutankhamon, on peut citer Ramsès II, Cléopâtre, Néfertiti. Ce sont des noms qui reviennent assez souvent. Et il y en a un aussi qui revient très 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 souvent parmi ces rois, c'est Amenophis IV ou encore Amenhotep IV, mais qu'on connaît plus souvent sous le nom de Akhenaton. C'est un nom qui revient très 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 souvent dans l'histoire égyptienne, en tout cas raconté souvent en Occident, Akhenaton. Ce roi revient souvent. Pourquoi semblerait-il? Il semblerait que le roi Akhenaton aurait profondément transformé l'Égypte antique, aurait profondément changé les mœurs, changé la façon d'être, de faire,
On va voir comment. Alors, c'est pas moi qui vais vous raconter ça. Je n'ai vraiment pas assez de connaissances. Je suis comme vous. D'ailleurs, je le dis assez souvent, je suis un étudiant. Notre invité va nous raconter tout ça. Alors, notre émission s'appelle « La vérité sur Akhenaton » et ça commence maintenant. Et on accueille sans plus tarder notre invité en la personne de Pierre Nilon. Mon cher Pierre, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, Shango, ça va et toi? Ça va très très bien, merci vraiment d'être parmi nous, merci d'avoir accepté cette invitation. Alors mon cher Pierre, avant de commencer, j'aimerais que pour ceux qui ne te connaissent pas, que tu te présentes, tu nous dises un peu qui est Pierre Nilon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis originaire de la Guadeloupe. Et donc, je vis en France. Donc, j'ai fait des études de théologie, plus spécialement en historien biblique. Et par la suite, j'ai fait les Médounéteurs avec Feu Doukaya, qui a été le premier à enseigner les Médounéteurs sur Paris. Donc, je suis son élève et c'est à travers lui que j'ai appris chez Cantadio. Et par la suite, j'ai suivi des cours à l'Institut Keops, enfin, surtout des séminaires sur Akhenaton, dispensés par Pierre Grandet, justement. D'accord. Alors, il y avait aussi Dominique Farou qui dispensait des cours hein, parmi okay. les enseignants. Ils sont très connus là-bas. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'ai la lumière du jour qui me tape le visage, mais ce n'est pas grave, on va arranger ça d'ici quelques instants. Avant qu'on entre dans le cœur du sujet, on va parler évidemment donc d'Akhenaton, de son règne, de qui est ce personnage, pourquoi on parle autant de ce monsieur. Mais avant, j'aimerais en savoir encore un peu plus sur toi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'orienter vers l'égyptologie? Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? À la base, je suis théologien. Mmh. Et l'élément déclencheur, c'est une rencontre avec Doukaya dans les années 90, où il passait tous les mercredis sur la radio communautaire, où il expliquait déjà les thèses de chez Kanta Diop sur Tropic FM ou Média Tropical, puisque ça a changé de nom à tour de rôle. Un coup, c'était Tropic, une fois, c'était Média Tropical, donc je ne sais plus très bien. Donc, je l'ai connu à l'époque où c'était Tropic FM. Mm-hmm. Et on s'est rencontrés lors d'une émission où il y avait Eric Kozak, il y avait Lucien Bokilo, il y avait Phil Control, il y avait du beau monde. Mm-hmm. Et donc, justement, ça m'a permis de faire la connaissance d'Eric Kozak, dont j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Les quatre vérités » en 95. Et donc, Doukaya, à l'issue de mon intervention, il m'a dit « t'es très bon en théologie, mais au niveau de, si tu veux aller encore plus loin, il faut apprendre l'égyptologie. » Donc, il m'a donné des cours d'égyptologie. Je ne suis pas le seul, hein. Il y a Jean-Philippe Omotunde aussi qui a étudié, on se croisait là-bas, chez Doukaya, c'était au cercle de recherche sur les valeurs africaines, le CERVA à Paris. Donc, on a suivi ses cours pendant environ 2-3 ans. D'accord. Donc, c'est lui qui t'a en fait… Oui, c'est lui, oui. Qui t'a dit, écoute, il faut que tu te mettes à l'égyptologie. Ce qui m'a passionné, c'est que quand il donnait des mots, systématiquement, les frères du continent reconnaissaient des mots dans leur langue. Moi, je reconnaissais très peu, mais il m'est arrivé de reconnaître, par exemple, le médounéter de la main qui donne… En égyptien, on peut prononcer « ma » ou « mi », puisque le « a » devient « i » aussi. Mmh. Et donc, aux Antilles, pour donner quelque chose à quelqu'un, on lui dit « mi ». Effectivement. Donc, ça signifie « tiens, prends ». En égyptien, c'est « donner », qu'on donne quelque chose à quelqu'un. Mmh. Et ce mot « mi » ou « ma », justement, on le retrouve dans le nom du scribe égyptien Manéthon de Sébénitos. Mmh. Donc, en gros, c'est « manatoth ». Qui signifie « donné par tot ». Voilà. Et donc, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'est déjà un point commun. Donc, je me sentais concerné par cette culture. Et après, comme dit chez Kanta Diop, un noir qui se promène dans la culture égyptienne a l'impression qu'il est chez lui, il n'est pas en terrain perdu. Effectivement. Comme il le serait s'il se promène dans la Grèce antique ou bien chez les Hébreux.
Merci en tout cas pour cette information. Alors les amis, n'hésitez surtout pas, bien évidemment, à poser vos questions dans le chat à notre invité pendant notre émission. Et vous le savez, vous connaissez le principe, en deuxième partie d'émission, je vais ouvrir la ligne et vous pourrez venir discuter en live avec notre invité sur Akhenaton. Alors, on va, avant d'entrer encore une fois dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu, pour ceux qui ne savent pas. Bon, ok, on parle beaucoup des Égyptiens, parce que c'est une civilisation quand même qui a perduré 3 millénaires. Mais ils viennent d'où, ces Égyptiens-là? Ils viennent d'où? C'est quoi leur origine? Est-ce qu'on a des documents? Est-ce qu'on a quelque chose? Bon, moi, je connais un petit peu, j'ai une idée de la réponse, mais pour ceux qui ne savent pas, d'où viennent ces Égyptiens? Bon, en tout cas, ce n'est pas des extraterrestres, ça, c'est clair. Ah, merci de préciser. Alien Theory, on peut mettre à la poubelle. Les Égyptiens eux-mêmes, ils désignaient leurs ancêtres comme venant du pays de Punt. Et le pays de Punt, certains l'ont identifié à la Somalie, la Corne de l'Afrique. Mm-hmm. Mais bon, dans d'autres textes, ce serait le point de départ. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une origine pour les anciens Égyptiens. Mm-hmm. C'est des populations qui ont descendu le Nil bleu et le Nil blanc. Donc, il y a des peuples qui venaient de la région des Grands Lacs. Mmh. Qui ont descendu le Nil blanc, et ceux qui venaient de la Corne de l'Afrique, du lac Tana, ont emprunté le Nil bleu. Et donc, ça s'est passé il y a très très longtemps. Hein. Excuse-moi de te couper. Pour ceux qui sont nuls en géographie, la région des Grands Lacs, ça correspond à peu près au niveau du Rwanda, Burundi et compagnie, c'est ça? Oui, le lac Victoria, donc c'est en Afrique de l'Est, si vous voulez. C'est Kenya, Ouganda, Tanzanie, RDC. D'accord. C'est les régions. Ok, vas-y, je t'avais coupé, mais je te laisse poursuivre. Oui, oui. Et justement, bon, quand on prend par exemple les Watutsi, on voit leur coupe, leur coiffure, et ben, c'est le casque qu'on appelle le Kefren. Qu'on retrouve sous la tête de Ramsès II, même Akhenaton portait aussi ce genre de couronne ou de coiffure. Parce qu'on dit couronne, mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais retrouvé aucune couronne en Égypte. Et dans les textes anciens, Diodore de Sicile dit qu'il s'agissait d'un bonnet. Voilà. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Je rembobine la cassette, parce que tu vois, ça, tu me fais bafouiller. Attends. T'es en train de dire... Attends, je le refais. T'es en train de me dire, parce que moi, je l'ai toujours cru jusqu'à là, ce ne sont pas des couronnes, ce sont des coiffures. Non. Oui, des coiffures. Tout à fait. Parce que moi, on m'a... La preuve, c'est que, bon, on a trouvé pas mal de vestiges en Égypte, mais dans aucun musée, vous allez voir une couronne égyptienne. Pourtant, il y en a eu plusieurs qu'on nous présente, la couronne rouge de Basse-Égypte, couronne blanche de Haute-Égypte, la couronne bleue là avec les petites crêpes justement que je faisais allusion, etc. Bon, on n'a rien retrouvé de tout ça. Ok, bon, ben tu vois, les amis, vous voyez, on en apprend tous les jours, hein, comme quoi, instruisez-vous, éduquez-vous, lisez, n'arrêtez pas. Mmh. Ok, bon, ça c'était donc pour origines de nos... Il y a ces deux origines, et en gros, on estime que l'Égypte même commence dans le sud, c'est-à-dire ce qu'on appelle Pataros, on trouve ça dans le livre d'Ézéchiel, par exemple. On dit que les Égyptiens retourneront dans leur pays d'origine à Patros. Patros, c'est l'Égyptien ancien, c'est Patoros, qui signifie la terre du sud. Et donc, c'est dans la région d'Aswan. C'est le point de départ qu'on considère de l'Égypte antique. Ok. Ok, intéressant. Alors... Et justement, c'est vers là-bas, on n'est pas trop loin de Abydos, qui sera une grande ville. De toute façon, j'aurai l'occasion de parler des grandes villes pour connaître les différentes théologies. Parfait, on va regarder ça dans un petit moment. Alors, ça, c'était donc pour définir un petit peu, recadrer l'origine des Égyptiens, pour ceux qui ne savent pas, ou pour rafraîchir la mémoire pour ceux qui savaient déjà. Maintenant, je voudrais qu'on rentre dans le cœur du sujet, et on va parler maintenant de ce fameux roi Akhenaton. Mais avant, effectivement, qu'il s'appelle Akhenaton, on savait qu'il s'appelait... Amenhotep ou Amenophis, selon si on est grec. Oui, Amenhotep, c'est la version grecque. Égyptien, on s'accorde à dire Amenhotep. Amenhotep. Est-ce qu'on est capable... Alors, avant qu'il devienne Akhenaton,
Est-ce qu'on a un peu des informations sur mais qui était ce monsieur, qui était le prince, donc, avant qu'il soit roi? Est-ce qu'on a quelques informations, quelques documentations pour décrire un peu sa personnalité, qui il était, Oui, bien avant sûr. qu'il devienne roi? Il fait partie de la 18e dynastie, donc on peut remonter ses ancêtres jusqu'à Toutmosis en passant par Amenhotep II. Et son père, c'est Amenophis III ou Amenhotep III. D'accord? Donc il est connu dans les documents à l'époque, puisqu'il y a le nom qu'on va appeler Nesoutbiti. Et finalement, c'est sous ce nom-là que les rois étaient connus à l'étranger. Par exemple, nous, on va dire Amenhotep III. En égyptologie conventionnelle, on va dire Netmatré. Mais dans les documents en cunéiforme, dans les tablettes d'Armana, il est connu sous le nom de Nemmara. C'est son nom de Nisutbiti. Et Akhenaton, on parle de lui dans les tablettes, mais pas sous le nom d'Akhenaton ni d'Amenhotep. Il est connu sous son nom de Nisutbiti, qui est Neferkhepoukhouré. Ou Nafakhouré, ben, les égyptologues européens vont vocaliser Neferkhepoukhouré. Et pareil, Toutankhamon n'est pas connu sous le nom de Toutankhamon, mais sous son nom de Nisutbité, qui est Neb Khepérouré. Et comment ça se fait d'ailleurs que... Bon, Et je ce que garde je en tête. voulais dire, Akhenaton, c'est 17 ans de règne sur 3000 ans d'histoire. Donc, Effectivement. son règne est, si on veut être honnête, on peut dire que son règne est insignifiant dans l'histoire égyptienne. D'accord. Mais Avant qu'il par accède... contre, Oui, vas-y, oui, pardon. il est connu par rapport au fait qu'on lui attribue le monothéisme. Et donc, c'est tout ça, on va discuter pour voir est-ce qu'il a vraiment donné le monothéisme. Avant qu'on aille Oui, justement oui. sur cette question, est-ce qu'on a de l'information, un peu plus d'informations sur lui en tant que prince, avant qu'il devienne roi? Est-ce qu'on parle de sa préparation? Est-ce qu'on a Ah des ben, éléments où on ne sait pas on grand-chose? n'a pas d'éléments directs. Il y a, disons, des faisceaux de preuves, enfin pas des faisceaux, des soupçons. D'accord? Bon, on sait que normalement, il ne devrait pas régner puisqu'il avait un frère qui s'appelait Toutmosis. Et comme oui, qui était normalement le prince héritier qui devait monter sur le trône. Mais à cette époque, il y a ce qu'on appelle jusqu'à maintenant la mort. Donc la mort a emporté Toutmosis, son frère. Et donc, du coup, c'est lui qui devient le prince héritier, le second sur la liste. Et Et comment ça c'est se passe par un quand on concours est... de circonstances qu'il accède au trône. Ok. Et comment ça se passe alors qu'on... Est-ce qu'on a aussi de l'information sur cette question? Quand un prince devient roi d'Égypte, est-ce qu'il y a une préparation? J'imagine que oui, mais est-ce qu'on Oui, il a y a une... une préparation. Depuis l'époque de Toutmosis III, on sait que les princes, parce que bon, on le verra, tous les princes étaient formés à Thèbes. Et en l'occurrence, et dans d'autres centres de culture, d'université, disons. D'accord. Et Thèbes, bon, il y avait le plus grand centre culturel universitaire en Égypte, c'était Héliopolis. On aura l'occasion d'en parler. Et Thèbes était considéré comme l'Héliopolis du Sud. Donc les rois, enfin les princes en devenir, passaient par là pour se former, pour être préparés à Oui, l'accession du trône. tout à fait. La 18e dynastie, du moins. D'accord. Et là, en lisant un de ces livres qui m'a aidé à le préparer, je vais vous en parler d'ici quelques instants, l'énigme de la religion d'Aton. Les amis, je vous ai mis de toute façon les liens dans la barre de description, donc allez-y. Je vois ici, effectivement, que donc, avant qu'il devienne Akhenaton, il se faisait appeler, on l'a dit tout à l'heure, Amenhotep, mais qu'est-ce qui... Pourquoi il a changé de nom au moment où il devient roi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'était un caprice ou que c'est une tradition? Est-ce qu'on a quelques éléments là-dessus? Disons, c'était une très bonne question. Hein. On dit qu'il a changé de roi parce qu'il a changé de vision. C'est-à-dire, le nom, si vous voulez, le nom, c'est par rapport à une divinité. Et ce qu'il a changé, ce n'est pas son nom. C'est parce que j'ai dit tout à l'heure là que les rois, ils étaient connus sous le nom de Nisutbiti. Donc, ce nom-là, quand vous prenez à l'époque où il s'appelle Amenhotep IV, il a toujours gardé ce nom. Donc, il ne pouvait pas le changer. Ce qu'il a changé, c'est le nom qu'on va appeler Saré, fils de Ré, qui Oui. serait plutôt un nom de baptême. Donc, plutôt un nom religieux, un titre. Et c'est là qu'il va changer, parce que dans ce nom, en principe, il y a le nom du Dieu auquel on est consacré. Enfin, je mets tout ça entre guillemets.
D'accord. C'est quand on va reprendre le début, on va voir que ça n'a vraiment pas de sens. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, on parle par rapport à le paradigme européen. Oui. C'est-à-dire qu'on va parler de polythéisme, de monothéisme, mais justement, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on verra que pour les Égyptiens, ça ne se posait pas du tout dans ces termes. D'accord. Alors, on a un élément. Donc, on n'a pas, si je comprends bien, tu me dis si je me trompe, on n'a pas une certitude totale sur quand. Au changement de nom, mais plutôt parce que si j'ai bien compris, tu as dit, il a eu une vision, il voyait le monde différemment des autres rois, c'est ça? Oui, on pense que des rois changent par rapport à une initiation, par rapport à un changement dans leur vie. Mm-hmm. C'est des noms, en Afrique, on donne des noms circonstanciels. Par rapport à telle circonstance, on peut être amené à changer de nom. D'accord. Et on retrouve ça même, par exemple, dans la tradition biblique. L'histoire de Joseph, quand il arrive en Égypte, il va changer de nom. On va retrouver ça dans l'histoire d'Abraham. À un certain moment, une fois qu'il est circoncis, il va changer de nom. Dans les gens, qui, par exemple, qui sont chrétiens, quand ils deviennent musulmans, ils vont prendre un nom musulman, etc. Donc, ça traduit toujours un changement d'état, et plus particulièrement au niveau de la religion. Ah, donc, on pense que c'est quand il a changé de nom, c'est une fois qu'il avait changé, disons, de sa spiritualité, sa vision religieuse. Ok, donc quand on pratique l'apostasie, on change forcément de nom en fait. Oui. On appelle. Ok. Oui. Ok, intéressant. Mais, toujours est-il qu'on n'a pas un document égyptien qui dit voilà, il a changé de nom pour telle ou telle raison. Hein. Ça, c'est des hypothèses. Des hypothèses. Par rapport à ce qu'on voit maintenant, on va transposer ça à cette époque. Ok. Alors, ensuite, donc. Amenhotep IV accède au trône. On a supposé donc qu'il a eu une vision différente, donc il a changé de nom, il devient Akhenaton. Est-ce que tu peux nous dire, mais Akhenaton, ça veut dire, parce qu'Aton, c'est le fils, c'est le soleil, mais j'ai cru comprendre que le soleil c'était Ra, Ré, alors je suis un peu perdu. Tu peux nous. Bah, là, tu vas un peu plus vite que tout ce que je voulais dire, mais pardon. Si tu veux, Aton, ça c'est la version européenne. Ok. On n'est pas sûr non plus de la prononciation, la vocalisation. Ah, d'accord. Ah, ok, c'est intéressant. Oui. C'est intéressant. Et après, on sait que c'est en rapport avec le disque solaire. Oui. Donc, il y en a qui vont le traduire par le disque solaire. Mm-hmm. Après, dans certaines langues, par exemple en mandingue, il y a le mot tona, atona, qui signifie le point, le noyau. Donc, il y en a qui vont dire qu'en fin de compte, ça signifie le noyau solaire. Vous voyez, parce qu'en principe, tous les fruits, on pense que les Égyptiens, ils auraient observé la nature, et oui. Tous les fruits sphériques ont toujours un noyau. Donc, ils auraient supposé qu'il y ait, dans le soleil aussi, il y a un noyau, et que Atona se réfère à ce noyau. Vous voyez? Donc, voilà. Et je crois qu'il y a Grégoire Biyogo aussi qui explique qu'en langue fond, il y a ce mot-là existe qui signifie le point, un noyau. D'accord. Donc, il y a aussi cette version. Après, vous avez aussi une autre version où ça signifie tout simplement la lumière, le soleil, ça renvoie directement au soleil. Donc, ce serait dans des langues africaines, notamment dans les langues tchadiques, on a le mot tan. Donc, ce cas, le A initial, il faut le mettre après le T, ça fait le mot tan, ou qui va devenir dan dans certaines régions, et ça signifie la lumière, le fait d'éclairer. Donc, on a aussi le mot Tana en Lingala qui va signifier éclairer, tout ce qui est clair, quoi. Et donc, en gros, ça ferait plutôt allusion non pas au disque solaire, mais à la lumière émise par le soleil. La lumière émise par le soleil, d'accord. Donc, à l'énergie. Bon. Et donc, Akhenaton, ça signifierait initié par le soleil, ou celui qui est utile, enfin, pour la lumière. Initié par la lumière, éclairé par la lumière, ou celui qui est utile pour le soleil ou la lumière. Et les langues africaines permettent plusieurs traductions. Possible, effectivement. Alors, on comprend un petit peu mieux donc, la signification de son nom. On comprend aussi qu'il y a une grosse trace occidentale, parce que bon, les noms donnés sont souvent l'héritage occidental. Mm-hmm. Il change de nom, il accède au pouvoir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? J'ai cru comprendre que, avant d'entamer cette fameuse réforme, avant même qu'il entame la réforme, est-ce qu'on a une idée? On va parler de la réforme un petit peu plus tard parce que c'est le cœur du sujet, mais est-ce qu'on sait pourquoi, ou est-ce que c'est suite à son
changement d'état, cette apostasie, son changement de nom, qu'il a eu l'idée de faire cette réforme. Est-ce qu'on a une petite, le pourquoi, en fait? Pourquoi il fait cette réforme? En fin de compte, c'est l'aboutissement de quelque chose qui a commencé bien avant. Donc, je pense que le mieux, c'est qu'on commence par le début de l'histoire, c'est-à-dire voir l'Égypte, la civilisation, tout dans, rapidement, pour bien comprendre le règne d'Akhenaton. Parce que lui, il ne surgit pas de nulle part. Donc, déjà, même le nom de Aton, il n'a pas inventé. Ça existait bien avant sa naissance. D'accord. Donc, il ne peut pas inventer un dieu qui existait, entre guillemets, si on considère que c'est un dieu. Il n'a pas inventé, ça existait bien avant. Est-ce que tu veux qu'on commence les... Oui, on va commencer par les slides. Par les slides. Alors, donnez-moi une petite minute parce que j'ai vraiment le soleil dans la figure qui me tape. Restez là, les amis. On fait une petite pause d'une minute et on revient juste après ça. On est de retour avec notre invité Pierre Nilon. Nous sommes en train de discuter sur Akhenaton, sa réforme religieuse et l'impact que ça a eu sur l'Égypte antique. Alors surtout les amis, mes chers chroniqueurs, n'hésitez pas à poser vos questions à notre invité et surtout n'hésitez pas à liker parce que je vois qu'il y a déjà quelqu'un qui a déjà disliké. Il y a toujours des haters. Haters will be hated, on dit. Mais donc, c'est pas grave. Donc, n'hésitez pas à liker. Ça fait partie du jeu. Voilà, exactement. N'hésitez pas donc, les amis, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et faites connaître le travail de notre frère Pierre Nilon. Alors, on va continuer, et merci d'ailleurs à tous ceux qui nous rejoignent maintenant à l'instant. Je vais projeter donc les slides que tu as fait parvenir. Alors, partager mon écran, que voici, que voilà. Il y a environ une vingtaine de slides qu'on va voir pour bien commencer. Alors, PowerPoint est un petit peu capricieux parce que si jamais je le fais comme si je risque de perdre le retour visuel, mais ce n'est pas grave. On va le faire comme ça. Alors voilà, j'ai lancé le slide et tu me guides, tu me dis quand est-ce que tu veux que je passe. Vas-y. Je ne sais pas si tu peux agrandir les slides, non ? Là, je suis au maximum. Au maximum. Bon, ouais. C'est dommage. Bon, là, ce que je voulais montrer, parce que, bon, tout à l'heure, on a parlé des anciens Égyptiens, c'est de prendre l'histoire au début. Donc, ici, vous voyez l'Afrique comme berceau de l'humanité. Et donc, on a environ l'Homo erectus, environ 2 millions d'années. Et donc, cet Homo erectus va quitter justement la région des Grands Lacs dont on a parlé tout à l'heure. Pour se diriger un peu partout, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest et en Eurasie, par la suite en Europe et en Amérique. Enfin, pas tout de suite en Amérique. Et donc, il y a ce qu'on va appeler la sapientisation. Parce qu'il y en a il y a deux thèses. Il y a une thèse comme quoi l'Homo erectus aurait évolué sur place en Homo sapiens. Et d'autres qui disent que l'Homo erectus aurait évolué en Homo sapiens pour après quitter l'Afrique. Donc, c'est un débat assez technique, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat. Oui. Je suis plutôt partisan de la première thèse. D'accord ? D'accord. Ensuite, on va passer au slide numéro suivant. Donc là, on a des preuves de la présence humaine. Donc, vous voyez, on a l'os dans les grottes de Blombos, environ 75 000 ans,
On a toute une série d'artefacts qui prouvent que l'humanité existait à cette époque en Afrique, un peu partout dans le monde. Slide suivant. Dans la région des Grands Lacs, on a retrouvé la plus ancienne trace de mathématiques au monde. C'est l'os d'Ishango qui se trouve actuellement en Belgique. Donc, ce qui montre qu'environ 20 000 ans, déjà, il y avait la notion de mathématiques, c'est-à-dire les sciences exactes. Il y a 20 000 ans avant l'ère chrétienne. Tu me permets une toute petite parenthèse, justement, à propos de ça. Alors oui, effectivement, c'est un chercheur belge qui aurait découvert ce fameux Is d'Ishango. C'est la raison pour laquelle il est conservé en Belgique. Et ça, c'est quelque chose qui m'agace profondément parce que c'est quand même partie de notre... Je fais une grosse parenthèse et puis je me tais. C'est quand même partie de notre culture, de notre héritage culturel, mais il est conservé en Europe. Donc ça prouve, les amis, que si notre culture est si peu intéressante, pourquoi c'est conservé en Europe? Voilà, oui, je referme la parenthèse, je te laisse la parole. Oui. Donc, c'est à l'époque, ben, c'est vrai que le Congo appartenait à la Belgique. Et donc, maintenant, il y a des fois qui entament des démarches pour qu'on restitue les objets volés. Parce que ça n'a pas été vendu, ça a été volé. Tout à fait. Donc, voilà. Slide suivant. Donc, tout à l'heure, avec l'os d'Ishango, certains peuvent considérer que c'est la naissance de la civilisation. Tout dépend ce qu'on entend par civilisation. Oui. D'accord. Donc, dans ce cas, on va placer la civilisation par rapport aux bijoux qu'on a vus dans les grottes d'Afrique du Sud environ 80 000 ans. Oui. On peut considérer que la civilisation commence il y a 80 000 ans en Afrique du Sud. D'accord. Tout dépend ce qu'on entend par civilisation. Hein. Tout à fait. Donc, maintenant, on a un site archéologique qui s'appelle Göbekli Tepe. Ça se trouve en Turquie, et là, on a le plus ancien temple au monde, c'est-à-dire des constructions en dur. Et là, ça remonte à 10 000 ans avant l'ère chrétienne. Donc, certains chercheurs, pour la plupart, considèrent que c'est la naissance de la civilisation. Et donc, ce ne serait pas en Afrique, ce serait en Turquie. Donc, oui. Donc, voilà, c'est ce document que vous voyez, ce site, qui se trouve en Turquie, pratiquement à la frontière syrienne, dans cette région. Le slide suivant. Là, alors, on est... Qu'est-ce qu'on voit, là? Là, on voit des pierres dressées. Donc, c'est à Nabta Playa, c'est en Égypte. Et donc, on considère que c'est le plus ancien calendrier. OK. Au niveau de l'Afrique, oui. Et donc, c'est un calendrier qui est dirigé par rapport au solstice d'été, l'orientation. Donc, vers le 21-24 juin. D'accord. Donc, si on considère que l'observation des étoiles, c'est le point de départ de la civilisation à ce moment-là, on revient encore en Afrique par rapport à ce calendrier. D'accord. Donc, donne-moi une petite seconde, je vais essayer de... Si je fais ça, c'est mieux? Oui, je pense que oui, c'est mieux. Okay. Par contre, ce qui m'en est, effectivement, donnez-moi une petite seconde, parce que c'est vrai que PowerPoint est un petit peu capricieux. Quand tu projettes PowerPoint, il reconnaît automatiquement qu'il y a deux écrans, mais il fait un peu ce qu'il veut. Et là, j'avoue, je ne suis pas certain. Excusez les amis, hein, si... Parce que normalement, ça devrait être mieux que ça. Je vais essayer de faire quelque chose. Donnez-moi une petite minute. Oui. Parce que théoriquement, c'est pas ce que je voulais que vous voyiez. Je voulais que vous voyiez autre chose. Alors attendez, on va essayer de faire ça. Donnez-moi une seconde. Je vais arrêter le partage 30 secondes parce que c'est pas du tout ce que je voulais que vous voyiez. Alors, on aurait dû voir autre chose. Si je le fais autrement et que je le mets comme ça, que j'inverse l'ordre. Alors, si je partage de nouveau mon écran, mais cette fois-ci, j'inverse, je fais ça. Et si je lance maintenant, je relance le slide. Ouais, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Ah, c'est un peu mieux là. Par contre, j'ai pas de visibilité sur... OK. OK, bon, je suis désolé, mais je ne peux pas faire beaucoup mieux que ça.
D'accord, c'est pas grave. Ok, donc tu disais, pardonne-moi d'avoir coupé. Donc ça, tu es en train de nous dire que c'est le plus vieux calendrier. Est-ce que tu peux nous le décrire un peu? Comment ça fonctionne, les pierres qui sont mises en forme de cercle? Tu peux nous en dire un peu plus? Oui, rapidement, hein, puisque j'ai pas été sur place pour étudier ces pierres. Donc, c'est aligné par rapport au solstice des. Le point central, c'est que le solstice d'été indique l'étoile Sirius. D'accord. C'est par rapport à la constellation Sirius-Orion. Et donc, après, ça indique le solstice d'hiver et les équinoxes. Après, bon, vous voyez, il y a des pierres qui sont tombées. Donc, on ne sait pas exactement par rapport à ça. Mais toujours est-il c'est que ça indique l'étoile, la constellation d'Orion, D'accord. qui est une constellation très, très importante pour les anciens Égyptiens, parce que c'est ça qui va constituer le point de départ de leur calendrier, qu'on appelle un calendrier zodiaque, D'accord. par rapport à Sirius. Il y a quelqu'un qui dit, c'est Jiminy, qui dit cette photo, on dirait Stone Age au Royaume-Uni. Oui, c'est vrai. Ça ressemble aussi à des dolmens, des menhirs, des choses comme ça. Mais c'est Effectivement. parce que Stonehenge aussi en Angleterre, Oui. c'est aussi un calendrier. Mais c'est Ah, par contre, c'est beaucoup plus récent. d'accord. Justement, les chercheurs sont pas trop d'accord, mais la date qui revient le plus souvent, c'est environ 2000 avant l'ère chrétienne. D'accord, ok. Alors que là, bon, on est environ à 6000 avant l'ère chrétienne. D'accord, C'est beaucoup ok. plus âgé. C'était important de le préciser. Merci pour la Oui. précision et merci Gemini pour ton commentaire. Tout à l'heure là, bon, on va reprendre le slide suivant. Voilà. Là, on est en Mésopotamie. C'est aussi un berceau de la civilisation. Et justement, les experts débattent entre l'Égypte et la Mésopotamie comme berceau de la civilisation. D'accord. Et donc, tout à l'heure là, on a vu Göbekli Tepe. Le site qui remontait à environ 10 000 ans avant l'ère chrétienne Oui. va disparaître subitement, environ vers 5 000 ans avant l'ère chrétienne. Et curieusement, c'est à partir de là qu'on va voir apparaître ce qu'on va appeler la culture d'Uruk en Mésopotamie, qui est une ville en basse Mésopotamie. Donc on voit bien ici. OK. Donc on pense que la population qui habitait la Turquie s'est dirigée vers la Mésopotamie, où vivait aussi une population noire, que certains appellent Sagig, les têtes noires, qui serait de type dravidien, ouais, comme les populations qu'on retrouve en Inde, ou même certaines populations d'Afrique, notamment en Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, Érythrée, etc. Vous voyez? Donc, on pense que ces peuples se seraient rencontrés et par la suite aussi le peuple sémite serait arrivé. Et donc là, on est environ à 4300 avant l'ère chrétienne. Et donc, ça explique pourquoi dans la Bible, on va mettre la Mésopotamie comme berceau de l'humanité. Parce qu'on D'accord. va retrouver les trois races connues de l'Antiquité, c'est-à-dire les Européens avec. Les Turcs qui venaient, enfin les habitants qui venaient de Göbekli Tepe. On va retrouver aussi des gens qui venaient de la Syrie, ce qu'on va appeler les Akkadiens. Et on va retrouver les Dravidiens, les gens qui sont de la basse Mésopotamie, qui seraient peut-être les plus anciennes populations. Donc quand ces D'accord. trois populations vont se rencontrer, ça va donner la civilisation mésopotamienne. D'accord. C'est-à-dire où c'est composé. Parce que souvent, on entend dire que les Sémites n'existaient pas avant Sargon d'Akkad. C'est-à-dire vers 2300. C'est complètement faux. C'est pas parce que c'est le premier roi Sémite à régner sous la Mésopotamie que son peuple n'existait pas avant. Vous voyez? D'accord, C'est un peu oui. comme si on dit que sous prétexte que Barack Obama était président, le premier président noir des États-Unis en 2005, on va dire, ben, c'est la preuve qu'il n'y avait pas de Noirs. Les Noirs n'existaient pas dans l'histoire de l'Amérique avant. Ah, Vous voyez? effectivement, Donc, je vois ce que voilà. tu veux dire. Et donc, à cette époque, on sait que les Sémites, on a pu, par rapport à la linguistique, dater vers 4000 ans avant l'ère chrétienne. Et ça correspond justement à la chronologie de la Bible, qui situe l'ancêtre des Sémites environ Adam, 4000 ans avant l'ère chrétienne. Vous voyez? Donc, ça donne une bonne concordance et en Mésopotamie. D'accord. Il y a une ville aussi qu'on voit qui s'appelle Kish. Donc ça, c'est important, cette ville. Voilà. On dit que la royauté va débuter à Kish après le déluge.
Mais quiche, là, c'est les Européens qui vont l'appeler comme ça. Mm-hmm. Mais le squelette consonantique, c'est-à-dire où les voyelles peuvent changer, mais le squelette consonantique ne change pas. On a le K et après, on a le S qui devient chointant, donc le che. Vous voyez? Oui. Et donc, par rapport à la Mésopotamie, ce que je voulais dire, en sumérien, pour dire Dieu, dans les livres, on va vous dire qu'on dit Dingi. Ben, chez les Turcs, pour dire Dieu, on va dire Tingri. Vous voyez? Le T devient D. Donc, c'est une preuve aussi, comme quoi c'est l'ancienne population de Turquie, de Göbekli Tepe, qui ont migré plus au sud en Mésopotamie. D'accord? Par rapport aux Dravidiens, chez les peuples Dravidiens, vous voyez, là, il y a la ville qu'on appelle Ur. Et Ur signifie ville. On retrouve ça dans les langues dravidiennes. On va retrouver aussi en Poular le mot Ror, qui va signifier village aussi. D'accord. Donc, c'est pour montrer qu'à cette époque, il y avait une relation entre l'Asie et l'Afrique. D'accord. Donc, on va passer au slide suivant, puisque les Mésopotamiens, ils naviguaient à cette époque. Donc, ils vont contourner la péninsule arabique que vous voyez ici. Oui. Ils vont descendre le golfe Persique. Ils vont passer par le golfe d'Oman, la mer d'Arabie pour le golfe d'Aden, et ils vont arriver en Afrique. Là, on est environ à l'époque d'Uruk. Ça va correspondre à l'époque qu'on appelle Nagada II en Égypte. Mmh. Donc, on est vers 3500. D'accord? Et on va passer au slide suivant. Voilà. Là, c'est ce qu'on appelle un artefact. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose, c'est palpable, quoi. Et là, ça s'appelle le couteau du Djebel El Arak. C'est un couteau qui se trouve au musée du Louvre à Paris. Oui. Et donc, il y a très peu de gens qui connaissent ce couteau dans la communauté, parce que généralement, on évite de le montrer. Parce que si vous voyez les petits détails, vous voyez, il y a un personnage mésopotamien avec deux lions, deux fauves. Vous voyez? Oui, je vois. Ouais, de ce côté-là. Tout en bas, on va voir des bateaux aussi du type mésopotamien. Donc ça a été retrouvé à... On dit que ça proviendrait d'Abydos, mais on l'a retrouvé à Djebel El Arak, d'où son nom. Et de l'autre côté, on voit qu'il y a une scène de combat. Et donc, d'après la lecture qu'on fait de ce couteau, c'est la preuve que les Mésopotamiens sont arrivés en Égypte et il y a eu un combat entre eux et les Égyptiens. Et apparemment, les Mésopotamiens l'ont remporté ce combat. C'est pour ça qu'on ne veut pas parler de ce couteau ? Oui. Mais personne n'est amassé. Enfin, j'essaie de comprendre. C'est par orgueil, mais, c'est par... Mais c'est parce que si vous regardez bien sous le couteau, oui. Vous voyez le personnage mésopotamien. Oui. Il est habillé. Oui. Vous voyez les Égyptiens, ils sont nus. D'accord. Avec un étui peignien. Donc, ça tendrait à montrer que la Mésopotamie était beaucoup plus avancée au niveau de la civilisation. D'accord. D'accord. Et entre guillemets, le costume, le peigne que le Mésopotamien porte, ça s'appelle sanada, qui signifie étoffe. Okay. Et c'est ce mot-là qui va donner le mot sanda en égyptien. Mm-hmm. C'est un mot d'origine sémitique et qui signifie le peigne, l'étoffe qu'on met. D'accord. Donc, ce qui voudrait dire que les Égyptiens l'ont emprunté aux Mésopotamiens. Ok. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la palette du champ de bataille. Donc, ça se trouve en Angleterre, mm-hmm. dans deux musées différents, puisque c'est en deux parties. Donc, il y a une partie qui est dans un musée et l'autre partie dans l'autre musée. Et là encore, bon, on voit des personnages. Apparemment que certains diraient que c'est les Anous. Donc, d'autres disent que c'est la première population égyptienne. Mm-hmm. Vous voyez, c'est un champ de combat. Il y en a qui sont prisonniers tout en haut, vous voyez? Effectivement. Ouais, ils sont entravés. Ils sont entravés. D'autres qui sont donnés à manger aux lions, aux vautours, leurs cadavres. Et là, sur la droite, on voit un qui est prisonnier tout en haut, un peu plus haut, voilà. Il est prisonnier, mais derrière lui, on voit un autre personnage. Effectivement. Ouais. Et on voit bien ses vêtements. Mmh. Oui. Les vêtements, c'est des vêtements mésopotamiens.
qu'on va voir tout au long de l'histoire de la Mésopotamie. Mmh. Voilà. Et donc, c'est la preuve que c'est les Mésopotamiens qui ont remporté la victoire. D'accord. Voilà. Donc, si je te suis bien, ceux qu'on voit nus, ce seraient les anciens Égyptiens, avant oui. ceux qu'on connaisse, qui ont perdu la guerre face aux Mésopotamiens. Oui, oui. D'accord. Donc, okay. Voilà. Ça, c'est une lecture qui est donnée. Hein. Oui. Il n'y a pas de consensus encore sur cette question ? Non, pour l'instant, non. Parce que dans la communauté noire, ben, il n'y a personne qui étudie ça. Et je pense que je suis le premier à présenter ces documents pour la lecture. Quoi. Oh, attends, une seconde. Parce que généralement, on commence l'histoire oui. et on ne montre pas ce genre de documents. Oula, attends, on va montrer la palette de Narmer, mais vite fait, sans faire une lecture, sans s'attarder sur les détails. Ok. Ah oui, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que... Ok, parce que... Alors, si je comprends bien, si on n'en parle pas, c'est par manque de connaissances, d'intérêt, un refus, comment toi tu interprètes ça ? Il peut y avoir plus les deux, quoi. Il manque de connaissances de ce qui existe, la documentation. Oui. Parce que, bon, le but aussi, c'est peut-être qu'on ne veut pas parler de la Mésopotamie. Je sais, par exemple, il y a Gunther Dreyer qui a fait des fouilles à Abydos par rapport à l'écriture. Oui. Et certaines personnes disent que, bon, voilà, c'est une écriture qui remonte à une époque où la Mésopotamie n'était pas habitée. Mmh. Ça, c'est du n'importe quoi, c'est pas scientifique, puisque la Mésopotamie était habitée à l'époque. Mmh. Et en plus, Gunther Dreyer n'a jamais dit que c'était la plus ancienne écriture. D'accord. Parce que j'ai ce qu'il dit, il parle de cette écriture et il dit que ce seraient les plus anciens hiéroglyphes. Et il dit qu'en Mésopotamie, on a retrouvé des écritures encore plus anciennes, mais dont tout n'est pas encore déchiffré. D'accord. Voilà. Et il a dit ça dans Science et Avenir que j'ai à la maison consacré au roi Scorpion. D'accord. Ok. Donc, on lui fait dire ce qu'il n'a pas dit. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais, ouais. Ok. Donc, le slide suivant. Alors, qu'est-ce qu'on voit voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'encensoir de Costule. Mm-hmm. C'est un document assez intéressant parce que dessus, on voit trois bateaux de style sumérien. Il y a un bateau avec des animaux. Oui, celui-là, oui. D'accord. Il y a un autre bateau avec des prisonniers, le bateau de droite, là. Plus loin, on voit la façade d'un palais. Okay. D'accord. Et au milieu, le bateau du milieu... On voit un personnage assis oui, sur un trône oui, avec oui. l'espèce de couronne oui. qu'on va appeler la couronne de Haute-Égypte, la oui. couronne blanche entre guillemets. Mm-hmm. Devant ce personnage, on voit un faucon. Voilà. Oui, là, oui. Et devant le faucon, on voit une étoile qui va symboliser le soleil dans l'art mésopotamien. Mm, d'accord. Maintenant, on va faire une lecture de tout ça. Okay. Le bonnet allongé, c'est la coiffure du dieu Enlil en Mésopotamie. D'accord. On a des représentations que je pourrais produire à l'occasion. Je ne les ai pas là, mais bon, dans mes coups, je montre ça. Où c'est la même coiffure. Le D'accord. faucon pèlerin qu'on a, qu'on va prononcer Or, mmh. c'est exactement comme ça qu'on l'appelle en arabe. Mmh. qui est une langue sémitique. Vous voyez ? Mmh. Le soleil qui est devant, dans les langues sémitiques, on prononce Shams. Ok. D'accord ? Maintenant, on va faire la lecture en commençant par le soleil, mmh. Shamsha, et le faucon, Or. Ça fait Shamsha Or. Shamsha, ça ne vous rappelle okay. rien ? Chamchaor. Oui, les Chamchouor. Ah, les oui. Égyptologues. Ah. Donc, par rapport à la lecture, donc ça signifierait que les Chamchouor seraient des gens qui seraient venus de la Mésopotamie, mais plus particulièrement de la ville qu'on appelle Kish. Et Kish, une fois qu'ils arrivent en Afrique, oui. c'est ce nom-là qui va donner le pays de Kush. Alors, dans les textes égyptiens, oui.
Parce que j'ai dit, c'est le squelette consonantique qui compte. Hein? Oui. Donc, on a le K et on a le CH. Et dans les textes égyptiens, ils vont mettre le votu pernoter. Et donc, ça va faire le mot cache. Et le A va devenir O ou U. Et c'est ça, à l'époque gréco-romaine, qui va donner le nom couche. D'accord. Et donc, on pense que c'est des Noirs de cette région, de la Mésopotamie, qui vont donner le nom de couche en Égypte, dans le sud de l'Égypte. Vous voyez? Alors, j'ai c'est pour ça qu'on dit que Nimrod, il a régné. Nimrod, fils de couche. On ne parle pas de couche en Afrique, mais on parle de couche en Mésopotamie. On dit qu'il a régné dans la plaine du Sinéa et on donne toute une série, une liste de noms de villes qui se trouvent en Mésopotamie. Et quand on va prendre le nom Sinéa en hébreu, donc on aura le S, le N et le R. Sachant que le N devient M dans certains dialectes. Et donc le SNR qui va donner le mot Sinéa, ça va faire SMR et ça va donner le mot Sumer dans les textes cunéiformes. J'ai quelques questions là. Je vais en profiter parce qu'il y a des gens qui posent plein de questions intéressantes. J'ai par exemple, bon, pour des raisons techniques, je n'arrive pas à afficher les questions comme je vous. Attendez, je vais voir si je peux essayer si je fais ça. Ah ben voilà. Je vais afficher la question. J'ai ici Abd qui demande, il y a quelque chose qui m'échappe. La Mésopotamie, c'est qui alors finalement? Des Occidentaux ou des Noirs? Mais la Mésopotamie, c'était un territoire, comme j'ai dit, où on retrouvait trois types de personnages. Il y avait des gens de race noire, du type dravidien, donc ce qu'on va appeler les Sumériens. Ensuite, il y a aussi d'autres personnages du type européen, qui descendraient, comme je l'ai montré, de Göbekli Tepe. Et après, vous avez des gens du type sémite, un peu type arabe, vous voyez. Donc, à l'époque où je vous parle de cette rencontre qui correspond à Uruk, la période d'Uruk, dans l'histoire de la Mésopotamie, et qui correspond à la période de Nagada II en Égypte, il y a les trois populations en Mésopotamie. Et j'expliquais, d'ailleurs, c'est pour ça que quand on va faire le livre de la Torah, on va mettre la Mésopotamie comme étant le berceau de l'humanité, parce que les trois races connues habitent cette région. C'est une région qui était déjà assez mélangée. Vous voyez? Du coup, ça m'appelle... Donc, il y a assez, les populations qui sont là vont se diriger en Afrique et ils vont rencontrer les Égyptiens. Alors, j'ai une autre question ici de Ed Kuba qui demande, est-ce que les Mésopotamiens ne déshabillaient pas leurs adversaires juste par humiliation? Oui, c'est possible. C'est possible. D'accord. Du coup, moi, j'ai une autre question. Merci pour la question, Ed. Merci pour la réponse. Moi, j'ai une question. Bah, du coup, alors, parce que là, ou alors c'est moi qui ai compris de travers. Du coup, ça relance ceux qui disent que bah, finalement, les Égyptiens de l'Antiquité, ce n'étaient pas des Noirs, en fait. Non, pas du tout. Ah. Mais non, ils sont Noirs. Parce que là, je crois comprendre qu'il y a... Il faut faire attention. Oui. C'est que la culture de la période de Nagada reçoit une influence mésopotamienne. C'est ce que je suis en train de démontrer. Pas que les Égyptiens, c'était des Mésopotamiens. D'accord. Voilà. Ok. Ça mérite d'être clair. Parce que je me disais... Parce qu'il y en a qui c'est juste vous montrer qu'à cette période, l'Égypte n'est pas isolée. L'Égypte est en contact avec la Mésopotamie. D'accord. Et donc, depuis cette époque, on retrouve des éléments de la civilisation mésopotamienne en Égypte. D'accord. Okay. Parce que souvent, on veut faire croire que l'Égypte n'a pas subi d'influence extérieure avant l'époque des pyramides. Or là, on voit que c'est faux. D'accord. Okay, donc, il faut avoir tout ça à l'esprit pour comprendre tout ce qui va se passer et comprendre aussi que quand on va faire, il y aura forcément des mélanges entre ces gens venus de l'extérieur et les anciens Égyptiens. Mm-hmm. Et donc, quand on va étudier l'ADN des momies, on va trouver la trace de tout ça, justement. D'accord. Voilà. Ok, ça a le mérite d'être clair. Parce que c'est vrai que ça peut porter effectivement... à confusion. J'ai encore une dernière question, ensuite on va continuer notre discussion avec les slides. J'ai Nicky Larson qui demande, avons-nous des informations sur l'écriture de la Nubie? Oui. Ben, à la Nubie, on a ce qu'on appelle l'écriture. Il y avait évidemment les hiéroglyphes qu'on a à l'époque pharaonique. Oui. Par la suite, on a aussi l'écriture méroïtique qui
pratiquement, on peut dire, apparaît en même temps que l'écriture démotique en Égypte. Et donc, pour l'instant, cette écriture n'est pas déchiffrée. On connaît quelques mots, mais ce n'est pas déchiffré. Et je crois que la personne la plus avancée, c'est Claude Grilly du CNRS qui travaille dessus. D'accord. Donc, j'ai eu l'occasion d'échanger avec et je pense que si demain on déchiffre cette écriture, ce ne sera pas un noir qui va le faire, ça va être encore un blanc qui va nous déchiffrer notre écriture, en l'occurrence Claude Grilly. Ça aussi, voilà. C'est une question. On va aborder cette question un peu plus tard, si tu veux bien, oui. Dans notre conversation, parce que oui. J'ai quelques questions à te poser là-dessus, mais on va continuer. Mais en tout cas, oui. Merci. Hein. C'était important d'apporter cette précision, parce qu'à un moment donné, je me suis dit, mais du coup, finalement, ça va relancer le sempiternel débat sur l'origine africaine des Égyptiens. Mais bon, au moins, tu as clarifié. Non, les Égyptiens, ils sont africains. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Ok, parfait. Bon, merci d'avoir apporté cette précision. OK. Ouais. Donc, slide suivant. Alors, slide suivant. Ah, donc là, la palette de Narmer. Donc, généralement, dans la communauté, on commence par cet artefact, la palette de Narmer, oui. Vers 3200. Donc, là, on voit aussi, il y a quand même un petit peu l'influence, on voit des gens en bas, justement, ça peut rejoindre la question qui était posée, parce qu'ils sont de type sémite et ils sont nus. Donc, peut-être que par humiliation, les vaincus, on les déshabillait. Mmh. Et donc, ça rejoint la question qui a été posée. D'accord. On peut rappeler rapidement, pour ceux qui ne savent pas, qui était Narmer. Narmer, ben, c'est le premier pharaon. Mais on va voir, il est appelé aussi Ménès. Effectivement. Et là, on va voir la preuve. Donc là, on a son nom qui est noté entre les deux têtes de vache qui représentent la déesse Hathor. Oups, attends, j'ai fait une mauvaise manie. Voilà, ici. Donc normalement, on a une écrevisse et avec, comment on appelle ça, un poisson-chat. Mm-hmm. Et avec un couteau, un burin. Donc, le poisson se dit normalement l'écrevisse en soninké, on va dire Nara ou Nala, puisque le R devient L. Mm-hmm. Donc, ça, c'est ce qui va donner le mot Nar. Et ensuite, le couteau, c'est le mot Mourou, qui dans certaines langues signifie couper, couteau. Mm-hmm. D'accord ? Donc, ça, normalement, si on prononce, ça va faire Nar Mourou. Nar Mourou. Okay. Ouais, donc, on prononce Narmer parce que par convention, les Européens mettent un E entre les consonnes pour vocaliser. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on prononce Narmer. D'accord. Donc, on le voit ici avec la couronne de la Haute-Égypte, ce qu'on va appeler la couronne blanche. Mm-hmm. Et de l'autre côté, on le voit avec la couronne rouge de la Basse-Égypte. Donc, ça symbolise qu'il a réunifié les deux terres, la terre du sud et la terre du nord. D'accord. Donc, il devient, comme on dit, Naptawé, le maître des deux terres, mmh. qui en même temps fait allusion aussi à la terre rouge et la terre noire, c'est-à-dire la terre fertile et la terre désertique, mmh. c'est-à-dire la totalité du pays. D'accord. Donc, on va passer au slide suivant. Là, c'est la massue, tête de massue de Narmer, donc on voit qu'on pourrait appeler un tribut. Avec des animaux qui sont comptés, etc. Il est sur son trône aussi. Ici, oui. Oui. Donc, on va passer au slide suivant qui permet d'identifier Narmer, parce que pendant longtemps, on pensait dans les documents, on voyait que Narmer, c'était le premier pharaon, mais dans les textes, par exemple, dans la table, liste royale d'Abydos, qui date de l'époque de Ramsès II, le premier pharaon est mentionné comme étant Mana. Ménès, oui. D'accord oui. Et Hérodote aussi, quand il a rencontré les prêtres de Memphis, il appelle les prêtres d'Héphaïstos, mm-hmm. qui est le dieu Ptah, Vulcain chez les Grecs. Tout à fait. Chez les Romains plutôt, Héphaïstos chez les Grecs. Donc, ils lui ont dit, le premier pharaon s'appelait Ménès, enfin Mani, ou enfin, dans sa version, c'est Mine, quoi. Hein. Et donc, ici, on a un document qui identifie Narmer au pharaon Ménès. Parce qu'on a les deux noms qui montrent, selon l'interprétation, que c'est la même personne. Tu peux nous aider à lire un peu ce qu'on voit à l'écran ? Oui.
Ben, en gros, vous avez comme un damier, mais il y en a qui disent que c'est juste le mur, la façade d'un mur, donc une construction, ce qui se prononce moon, qui va donner le MN, et en bas, les filets d'eau que vous voyez, voilà, c'est un complément phonétique. Et donc, les deux réunis, c'est ça qui va donner le nom de Mana Ménès. En D'accord, bas, parce que... il y a le faucon. Ok, oui. Le faucon, c'est or, donc Or. ça signifie noble. D'accord. C'est le chef. Ça signifie aussi en poulard, c'est la tête, donc celui qui est en tête. Et en bas, vous voyez, on a le poisson-chat et le couteau que je vous ai dit. Donc c'est le nom de l'armeur. D'accord, Donc donc. ça montre que c'est la même personne. Ok, C'est tout la ça, lecture ça qui veut est dire donnée. Narmer. Non, Narmer, c'est juste en bas. Le Sérec, là où il y a le faucon. Ah, ok. L'inscription en dessous. En dessous, ici, Ouais, ok, oui. c'est Narmer. Et en haut, ce qui ressemble à un château avec le filet d'eau, ça c'est Ménès. Ménès, ok. Oui. Voilà. Donc, on va passer au slide suivant. Voilà. Maintenant, on va vraiment rentrer. Ça, c'était pour faire un petit rappel historique. Très bien. Donc là, maintenant, on va rentrer dans la cosmogonie. Là, on a comment les Égyptiens y voyaient l'univers. Donc ça, c'est la cosmogonie d'Héliopolis. Héliopolis, c'est là où il y avait les Égyptiens les plus savants. D'accord. D'accord? Et donc, les Égyptiens, dans leur vision, il y a le Noun, qui est l'océan primordial. Le nom peut être prononcé aussi Nomo, comme chez les Dogons du Mali. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vocalise. Tu me permets une petite aparté? Oui? Ça me rappelle, il y a quelques mois de cela, j'ai reçu, et je le salue au passage, monsieur Yupo Areka Sommet, qui est philosophe et Oui. égyptologue. Et on avait parlé de son livre, justement, Introduction à la philosophie. Non, L'Afrique dans la philosophie, donc une Oui. introduction à la philosophie. Et j'avais lu, justement, dans son livre, ce fameux Noun-là, Oui. dont on vient de parler, qui serait donc à l'origine de la naissance de l'univers. Oui. Et Et donc, ce qui oui. m'a un peu surpris, c'est que j'ai lu un article récemment, hein, de 2016, où les astrophysiciens occidentaux pensent que, justement, le fameux Noun dont on parle ici, en fait, ce serait la matière noire qu'on a observée, et certains astrophysiciens pensent que cette matière noire serait justement à l'origine de la naissance de l'univers. Tout à fait. C'est quand même incroyable. C'est Alors que nos ancêtres... là que je voulais en venir. Ah, merci. Ah, parce que nos Oui, ancêtres ont pensé à ça il y a déjà 3000 ans quand même. il parle de cette matière noire et des fois aussi il parle de ce qu'on appelle la théorie de plasma, D'accord. que tout l'univers serait constitué de cette matière noire qui serait comme le plasma, 99% de l'univers. Et donc, dans cette matière noire, Oui. il y a tous les éléments de la création. C'est ce que nos ancêtres, ils expliquent. D'accord. Et donc, ça va se manifester. Dans le livre de Théophile Obenga, il parle justement comment l'existant est venu à l'existence, en étant seul dans le Noun, et il s'appelle Toum, Atoum. Atoum, le mot signifie ce qui est complet, ce qui est fini, qui est achevé. Normalement, ça ne se prononce pas Atoum, ça se prononce Tam, Toum. Ok. Oui, D'accord? je te suis, je te suis. Et donc, c'est cette énergie qu'on va appeler demiurge qui va rentrer en action D'accord. et qui va émerger dans le Noun sous forme de Ré. Donc, on va parler souvent de Atum Képer Ré. Atum, c'est ce qui est complet. D'accord. D'accord? Là, on n'est pas dans des dieux, des fétiches. Donc, c'est ce qui est complet. Képer, c'est ce qui va se transformer. D'accord. Donc cette matière qui est complète va Oui. se transformer et Oui. là, dans le Noun, va émerger le soleil. C'est ce Oh, qu'on va OK. appeler le Big Bang. Ah, d'accord. D'accord? Et donc, dans des textes égyptiens, il dit, j'étais seul dans le Noun avant qu'apparaissent les dieux primordiaux. Tu me permets une toute petite réaction? Oui. Écoute, hein, les amis, une petite réaction. You're gonna learn today. You're gonna learn today. Voilà.
Vous allez apprendre plein de choses, les amis, parce que là, tu me fais me confirmer des choses auxquelles je pensais, mais franchement, magnifique. Pardonne-moi de t'avoir coupé, mais il fallait une petite réaction. Et donc, Vas-y. là, ce que les Égyptiens vont enseigner, qu'on va appeler la religion, Oui. c'est de l'astrophysique. Ouh là là! Attends, attends, Oui, attends. oui. Ouf, Et attends. donc, moi, je ne suis pas astrophysicien, mais bon, je m'intéresse un petit peu. Et Oui. donc, après, vous voyez, par exemple, ce qu'on va appeler les divinités, les couples. Donc, il y a Chou, ça va être l'air. Tefnou, l'eau. Geb, la terre. Et Nout, on va dire, c'est le ciel, mais en fin de compte, ce n'est pas le ciel, c'est le feu. Parce que le mot, ça a été traduit par Nout, mais tous ces mots-là existent dans les langues africaines. Par D'accord. exemple, chou, sou, en poular, ça signifie souffler, le fait de D'accord. souffler, comme quand vous soufflez quelque chose à l'oreille de quelqu'un. D'accord. Tefnou, le mot tefni, signifie cracher, donc l'humidité. Geb, c'est creuser la terre, le fait de moissonner, de travailler la terre. D'accord? Et Nout, normalement, c'est nit, c'est l'éclairage, le feu, la lumière. Et donc, D'accord. ça fait référence à la lumière du ciel, les étoiles. C'est pour ça que souvent, on voit, c'est représenté par une femme, on va dire la voûte céleste, avec Oui, des étoiles. c'est Elle est en ça. bleu avec des étoiles. Tout à fait. Donc, ça fait. Là, on a les quatre éléments indispensables à la vie. Vous voyez? Et de toute façon, nous, on est composé à 75% d'eau, parce qu'on Effectivement. vient du Noun, tout vient du Noun. Tout à Donc, fait. c'est cet élément qui va se diviser. Et dans des textes égyptiens, il dit, j'étais un, je deviens deux, et je deviens encore deux. Donc, ça fait allusion à ça. Et ensuite, donc, ça va être donner naissance aux cinq divinités. Donc, il y aura d'abord Isis, Osiris, Nefti, Seth. Ensuite, Isis et Osiris auront un enfant qu'on va appeler Horus. Et ensuite, Osiris aura un enfant avec Nefti, puisque Seth, il est stérile, et qui sera Anubis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Isis représente quelque chose. Il faut Oui. aller dans le livre de Plutarque qui s'appelle Isis et Osiris. Et justement, il dit que lorsque les Égyptiens vous parlent de telle ou telle divinité, ne croyez pas qu'il s'agit de dieux ou de personnages ayant existé, mais de principes. Et donc, Isis va représenter la terre d'Égypte, la terre noire. C'est pour ça qu'elle est appelée la femme noire. Effectivement. D'accord? Tu fais bien Et de le mentionner, oui, parce que ça, oui. le traité d'Isis et d'Osiris de Plutarque. Oui. Et Osiris va représenter le Nil. D'accord? Osiris, bon, on va l'appeler Dionysos, qui en grec signifie le dieu de Nicée. Oui. Nicée, c'est comme ça qu'on appelait le lac Victoria avant. D'accord? Vous entendez, les amis? Donc, on Accrochez-vous, va là, dire vous apprenez des choses. Nyanza, Nyanza maintenant, mais son nom, c'est Nicée Nyanza. C'est D'accord. pour ça que le mot Nsa, en swahili, signifie débuter, qu'on va parler de Kwanza, ce qui est qui commence, qui débute, les prémices. Et Dieu, on dit que Osiris, il est né dans la ville de Nicée. C'est pour dire que le Nil prend naissance dans le lac Victoria. D'accord. D'accord? Et donc, le Nil va féconder l'Égypte et va donner la végétation, va donner un climat tropical et ce qu'on va appeler Horus. Au risque qu'on voit ici, là, Oui. effectivement. D'accord. Et Seth, par contre, va représenter la terre stérile. C'est pour ça que la stérilité ne donne rien du tout. Effectivement. Donc Seth, il ne peut pas avoir d'enfant avec sa femme qui s'appelle Nefti. Et donc sa femme est obligée d'aller vers Osiris pour avoir un autre enfant qui va s'appeler Anubis. Est-ce que, une petite parenthèse, est-ce que c'est pas ça dans la cosmogénèse africaine qui a provoqué justement la colère ou la jalousie de Seth? Parce que j'ai cru comprendre que Seth était censé. Zut, excuse-moi, j'ai balancé le slide, attends. Ah. Voilà, Seth était censé au début aider Osiris, me semble-t-il, à vaincre Apep. Oui.
Et puis, cette a changé, devenu orgueilleux. Est-ce que ça c'est quelle est l'origine? Enfin, là, c'est une grosse Mais aparté, mais. ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la cosmogonie, Oui. il y a plusieurs passages. D'accord. C'est-à-dire, Seth va, dans certains passages, représenter la Terre stérile, Oui. mais dans d'autres, Seth, on dit que dans Plutarque, on dit qu'il représente Typhon. Ah Typhon, oui. c'est un vent violent. Oui. Il faut savoir qu'en égyptien, il y a le mot sout qui signifie aussi un vent violent, D'accord. un vent du nord. Et donc, Seth, à un certain moment, va représenter la mer Méditerranée qui vient s'abattre sous les récifs là, vers le nord de l'Égypte. Et donc, ça explique pourquoi que Osiris meurt entre les mains de Seth. C'est-à-dire le Nil va mourir dans la mer Méditerranée. C'est pour ça qu'Osiris, il meurt noyé. Le Nil sera noyé par la mer Méditerranée. Donc, il y a plusieurs lectures, c'est-à-dire chaque mythe égyptien trouve une explication logique dans la vie des anciens Égyptiens. Et c'est ça qu'on enseigne dans la cosmogonie. C'est-à-dire, dans l'Égypte ancienne, il n'est pas question de polythéisme ou de monothéisme. Ah, attends une Il seconde, une seconde, une seconde, seconde. Une seconde, une seconde. Ah, alors là, attention, attention. Bon, parce que ça c'est très, très important. Alors là, on va prendre tout le temps nécessaire pour que tu expliques bien ça. Alors, tu viens de dire pas de polythéisme en Égypte. Oui. Parce qu'effectivement, moi, c'est ce qu'on m'a toujours appris à Oui, moi l'école. J'ai aussi. fait mes études en France. On m'a toujours dit, non, les Égyptiens, ils étaient polythéistes. Regardez, ce qu'on voit à l'écran, c'était des dieux et c'est Akhenaton qui a tout changé. Donc, j'aimerais que tu prennes tout le temps que tu as besoin pour nous expliquer ça. Vas-y. Oui, c'est pour ça que je dis, il faut voir les choses selon son paradigme. Moi aussi, on m'a enseigné la même chose quand j'ai fait la théologie. Les Égyptiens, ils adoraient plusieurs dieux. Oui. Seuls les Hébreux étaient monothéistes. Et donc après, quand j'ai fait mes études de théologie, tout ce que j'avais eu comme formatage de théologien m'a suivi pendant longtemps. Et donc, quand je voyais l'Égypte, je voyais du polythéisme. Parce que j'avais été formaté pendant des années comme ça, avec des piqûres de rappel. D'accord? Et pour moi, Akhenaton avait donné le monothéisme. C'était comme ça que je voyais les choses. Jusqu'au jour où j'ai lu Osiris et Isis de Plutarque. Je connaissais le livre, mais je ne l'avais jamais lu. Et quand j'ai commencé à le lire, et lui, il expliquait, parce qu'il a été en Égypte, il a rencontré les prêtres, et il était chargé de l'éducation d'une jeune prêtresse de je ne sais plus quel dieu, mais quelqu'un de l'aristocratie. Et donc, il lui explique la théologie égyptienne telle que les prêtres l'enseignaient. Parce que vous savez, il y a toujours ce que l'enseignement caché et il y a l'enseignement qu'on donne folklorique. Absolument. Voilà. Et donc, depuis ce jour-là, tout est devenu clair par rapport à ce livre. Et aussi, j'ai eu une de mes étudiantes qui m'avait expliqué que dans sa langue bassa, il n'y a pas de pluriel pour le mot Dieu. C'est inimaginable. Et donc, je me suis dit, il faut revoir ma vision des choses. Et donc, pour l'ancien Égyptien, monothéisme et polythéisme, ça n'a aucun sens. Donc, du D'accord. coup, on voit qu'Akhenaton n'a pas pu inventer quelque chose qui, dans sa conception, puisqu'il a été éduqué à l'égyptienne, n'avait aucun sens. Donc, pour l'Égyptien, il y a un Dieu, le un et le multiple. On l'a vu là tout à l'heure avec Atum, Keper, Re, C'est ça. qui va se transformer pour donner encore les autres divinités, ce qu'on va appeler l'Énéade, les neuf divinités. Mais Ouh. en gros, ce n'est pas neuf divinités, c'est neuf manifestations. Ouh là 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 là, attention. C'est-à-dire le un qui Oui. se manifeste de plusieurs façons. Différentes. Ça, Aïe, aïe, oui, aïe. c'est-à-dire comme par exemple quand vous regardez les élections des Miss, il va y Oui. avoir, disons, si c'est Miss Univers, il y aura Miss France qui va représenter la France. Elle va défiler. Elle va se manifester au public de différentes façons, en bikini, en robe de soirée, etc. Mais ce n'est pas plusieurs personnes, c'est la même personne sous différentes manifestations. C'est Là, comme ça que l'Égyptien concevait la chose. il faut que je. On va faire une pause 30 secondes pour voir les réactions. Déjà, il y a celle-ci. Les amis, je vous avais dit que vous allez apprendre des choses. Je vous avais prévenu. Je vous avais prévenu, les amis, je vous avais prévenu. Donc, on vient de dire à l'instant, enfin, non, notre invité,
Pierre Nilon vient de nous dire qu'effectivement, l'Égypte antique n'était pas polythéiste. Ça, c'est la version occidentale, la vision occidentale. Les Égyptiens ont toujours cru en un seul et même, une seule et même divinité avec plusieurs représentations différentes. Ce n'est pas la même chose. Donc, ce qu'on voit ici, si je te comprends bien, mon cher frère, tu es en train de me dire, en fait, que Chou, Tefnou, Geb, tout ce qu'on voit ici, en fait, ce sont des manifestations différentes. Oui, de la même divinité, la même entité. Yes. Oh, voilà. Excellent. Ça, c'est fort. Alors, on retrouve la même chose dans l'islam. Hein, pour les gens, peut-être qu'il y a des gens qui sont musulmans qui nous écoutent. Il y a Allah, mais il a 99 noms. Ah. Mais pour aucun musulman va penser qu'il y a plusieurs dieux. Il va dire que c'est des qualificatifs du même Dieu. C'est des noms différents. D'accord? Nous, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, quand on va prendre les cartouches des rois, par exemple, si on prend les cartouches de Ramsès II, et donc pour écrire Ramsès, Ramessou, donc sur des cartouches, vous allez trouver qu'on va mettre le faucon avec le disque solaire. Solaire, oui. Et sur d'autres, on va mettre simplement le soleil. Et dans les deux cas, on va prononcer Ra. Mais si quelqu'un ne connaît pas, on va penser que le faucon avec le disque solaire, c'est Horus ou Horus Arakti, alors que c'est la même chose. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans Horapollon, il dit que les Égyptiens, pour représenter le soleil, représentent un faucon. Donc, Horus, c'est aussi le soleil. Tu vois, j'ai quelques réactions que je voudrais te faire partager à l'écran. Tu vois, par exemple, Asjo. Tiens, salut Asjo, que je salue. C'est un plaisir de te voir, mon cher frère. Notez bien, ce sont les manifestations de la même divinité. Tu as Ed ici qui dit waouh, c'est chaud. Effectivement, parce que là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, c'est une découverte. Tu as la réaction de Chaka Wakanda qui dit po. Eh oui, c'est fort, mon ami, c'est fort. Qui d'autre encore? Wally qui dit, c'est comme les 99. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Ce que tu venais de dire, exactement. Je regarde s'il n'y a pas d'autres réactions. Qu'est-ce que je vois ici? Jean-Daniel emprunt, mais qui dit même, nous-mêmes, on ne connaît pas vraiment notre tradition primordiale. Et oui, c'est vrai, mon cher Jean-Daniel, nous sommes pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus volontiers dedans, nous sommes très, très, très ignorants de notre culture. C'est la raison même de cette chaîne, c'est justement se réapproprier notre culture africaine. Donc, c'est une de mes missions. Donc, je vois qu'il y a, tu vois, tu as ici Nicky Larson qui te dit « Le frère a combien de livres ?» De livres parce qu'il est puissant. Je peux montrer, j'ai écrit 3 livres. Ici, j'ai, si on voit à l'écran, Premier. Je vais couper mon partage. Donne-moi une seconde. Oui. Donne-moi une petite seconde. Je coupe ça. Donc, c'est voilà. Moïse l'Africain, qui est sorti en 2001 aux éditions Ménébuc. Donc, voilà. Après, j'ai sorti en 2003 celui-là, Compte d'auteur, la véritable Bible de Moïse. Vous voyez, à Compte d'auteur en 2003, qui a été réédité par les éditions Annie Boué en 2009. Tu peux nous le remontrer, s'il te plaît? Oui, c'est celui-là, la véritable Bible de Moïse. Vous voyez, c'est sorti en 2003, à Compte d'auteur. OK. Et donc, ça a été réédité après. C'est le seul livre qui est disponible actuellement. D'accord. Et justement, je montre que le personnage de Moïse a été calqué sur l'histoire d'Akhenaton, tel que c'est enseigné. Ouais, effectivement. D'accord. Et en 2016, j'ai sorti ce livre, voilà, Prière et enseignement de Nafa Kourouré. Nafa Kourouré, c'est le vrai nom de celui qu'on appelle Akhenaton. Wow. Voilà. Et donc, c'est sorti à Compte d'auteur en 2016. Et dedans, justement, les 13 colonnes du grand hymne d'Aton, donc je les translittère et je les traduis par rapport à nos langues. C'est-à-dire, chaque mot, je donne aux gens dans quelle langue qu'on les retrouve et ce que ça signifie pour bien comprendre la pensée de nos ancêtres. Tu vois ici Lucas Delbo qui te dit il est tellement bon et bien calé le professeur Nilon. Tu fais déjà des émules, hein. Tu fais des émules, ça y est.
Tu as par exemple ici Chaka Wakanda qui dit « Je vais pas quitter l'islam pour rien ». Bon, ben voilà, hein, je pense que tu as compris. Qu'est-ce que je vois d'autre? Alors attends, moi qui connais pas mal de choses. Alors j'ai ici Abt qui nous dit « Moi qui connais pas mal de choses sur l'initiation, je comprends ce qu'il veut dire quand il parle du sens caché des choses, car chez nous, on ne dit pas ouvertement. » Effectivement, il y a des choses qu'on ne dit pas à n'importe qui comme ça, ça demande une forme d'initiation. Ouais. Franchement, on n'a même pas encore fini de voir tous les slides des amis et c'est déjà chaud, brûlant. Ouais. Vous avez vu, ce que je peux dire aussi par rapport au 1 et le multiple, c'est que Aton, celui qu'on présente comme étant Aton, dans le livre du professeur Théophile Obenga, je conseille à tout le monde de l'acheter. Ah oui, celui-là, oh là là, ah, il est fort. Et surtout de le lire. Oui. Et ceux qui ont des connaissances en médunéter, il faut tout vérifier. Parce que dedans, par exemple, vous allez voir que Atum, on dit c'est celui qui est dans son disque. Il se présente sous la forme de Aton. Donc, ce qui montre déjà que Atum, Aton, c'est la même chose pour un Égyptien. Ouais. D'accord. Et le nom même que Aton, qu'on va dire que Akhenaton aurait inventé un dieu, ce nom-là existe dans les textes des pyramides. C'est-à-dire, on est environ 2400 ans avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire 1000 ans avant la naissance d'Akhenaton. Donc, la question, comment il peut inventer quelque chose qui existait 1000 ans avant sa naissance. D'accord. Et dans un texte qui relate la mort de Amenemhet, donc on est vers 1962 avant l'ère chrétienne. Oui. Donc, ce qui fait au bas mot, 4, 9, 19, moins 14, ça fait 500 ans. C'est-à-dire un demi-millénaire avant la naissance d'Akhenaton. On parle du cas du pharaon qui est allé rejoindre Aton. Vous voyez? Donc, voilà. Et Aton, c'est le soleil. Les amis, il faut que je leur passe cette réaction. You're gonna learn today. Alors, je rappelle. Maintenant? Oui. Donne-moi une petite seconde, je voudrais simplement rappeler les livres qui m'ont aidé à préparer cette émission. Les amis, vous retrouverez donc Hymne de la religion d'Aton, qui se lit vraiment très facilement, qui est simple à comprendre. Il y a aussi le livre qui s'appelle « Akhenaton, roi d'Égypte » de Cyril Aldred. J'ai mis donc les liens dans la barre de description, vous pouvez les retrouver. Je vais rajouter un petit peu plus tard, parce qu'on en a parlé, c'est vrai que je n'y avais pas pensé, le traité d'Isis et d'Osiris de plus tard, effectivement, qui a une bonne base aussi pour vous aider. Donc, les gens peuvent trouver aussi sur un PDF. Absolument. Alors, on va. On a appris plein de choses. Hein. Moi, je suis. On n'a pas fini. On n'a même pas fini. Alors, là, on va passer peut-être au slide suivant. Je vais repartager. Alors, attends, donne-moi une petite seconde. Je vais repartager mon écran d'ici quelques instants. C'est vraiment balèze ce qu'on a appris, les amis. C'est très fort et c'est même pas fini. Alors, donnez-moi quelques instants pour partager mon écran. Je vais être sûr que... Non, je m'y prends mal. Donnez-moi une seconde. Je m'y prends très, très mal. Alors. Voilà. Ne vous inquiétez pas, les amis. Hein. Ça vient. Screen 1. Et voilà. Voilà. Donc ici, on a la plus ancienne représentation du dieu, entre guillemets, du pharaon Akhenaton. Vous voyez, on a le faucon avec le disque solaire. Oui. Et juste en haut, vous voyez, il y a marqué le nom Aton. Vous voyez, là où il y a... Oui, non, de l'autre côté un peu plus loin. Voilà, on a le roseau, vous voyez. Ensuite, on a ce qu'on va appeler la galette. Qui est un plat qui s'appelle le taux. Non, plus haut, le demi-sphère, voilà. Donc, c'est la lettre T. On a le filet d'eau en bas, donc ça va donner le N. Et on a le disque solaire en bas, le soleil, comme déterminatif. Donc, c'est le nom qu'on va traduire par Aton, voyez. Et donc, ça, c'est la plus ancienne représentation. Donc, ce qui montre que dans l'esprit de Nafakourouré, alias Amenophis IV, Akhenaton, il représentait exactement comme on représentait Ré, le soleil avant, c'est-à-dire avec un faucon, avec le disque solaire.
Et des gens, des fois, peuvent acheter des petites statues de Ré. Il est représenté comme ça. Vous avez un homme avec la tête de faucon et le disque solaire. Eh bien, c'est tout simplement le soleil. D'accord. D'accord? Ça, c'est la plus ancienne représentation. D'accord. Le slide suivant. Ah. Et donc, là, maintenant, c'est la représentation classique que tout le monde connaît. Alors justement, je voudrais, avant qu'on entre dans le détail, je voudrais te faire plusieurs remarques et tu me dis ce que tu en penses. Déjà, on voit effectivement ici donc Akhenaton, en famille avec sa femme. Tu peux me rappeler le nom de sa femme déjà? Néfertiti, Néfertiti, oui, merci ma beaucoup. fille Atta, et la On belle a est venue ou revenue. C'est ça, on a, il est assis, donc c'est une représentation Oui, familiale, il oui. est assis en face de sa femme avec ses enfants, on a l'impression qu'il est en train de passer un moment agréable, un moment familial, tout Oui, simplement. oui, Bon. Et ici, on voit donc le soleil oui. avec les rayons solaires, Oui. et au bout des rayons solaires, on voit, si je m'abuse, des doigts ou des mains Oui, des mains qui qui tendent gèrent le signe de Hank, la vie. la vie. Alors, Oui. moi, j'ai pas pu m'empêcher. Ma première remarque, Pierre, j'ai pas pu m'empêcher de penser quand j'ai vu les doigts, à penser justement à ce qu'on voit sur je crois c'est la chapelle Sixtine où on voit la peinture de Michel-Ange où on voit Dieu Oui. qui tend le doigt vers la main inerte de l'homme au moment Oui, où il donnait la vie. c'est vrai. Il y C'est a un vrai, rapport j'y ai ou pas c'est moi pensé. qui... Non, non, peut-être ils se sont inspirés, mais c'est vrai, j'y ai pas pensé. D'accord. Là, ce qu'on voit, Oui. c'est les bras du soleil représentent les rayons du soleil et avec le signe de Hank pour dire que c'est le soleil qui donne la vie. Oui. Petit Donc symbole voilà. donc ici, Ça, c'est la représentation standard. On oui. pense que c'est à partir de l'an 5, comme c'est à partir de cette année de son règne, qui va finalement officialiser sa vision des choses. Sa réforme, disons, que ça va rentrer et prendre effet. Mais on aura l'occasion de voir en quoi consiste sa réforme, puisqu'il n'a pas pu donner le monothéisme, on l'a vu. Les Égyptiens connaissaient le monothéisme, ils ont toujours été monothéistes. Donc Akhenaton ne pouvait pas donner le monothéisme, et il ne pouvait pas, comment? Parce que les Égyptiens croyaient en un seul Dieu qui avait plusieurs manifestations. Et d'ailleurs, même Akhenaton croyait à ça, puisque dans le grand hymne d'Aton, il Oui. dit, tu engendres des millions de formes de toi-même. Il le dit dans le grand hymne d'Aton, il le dit aussi dans le petit hymne dans la tombe d'Api. Donc, il Aha. avait les mêmes croyances que son peuple. Aha. Donc, Ah. en gros, c'est un Égyptien comme les autres. Ah. Vous Voilà. entendez ça, les amis? Vous entendez ça? Maintenant, on va parler de quelque chose, les slides suivants. Ah, donne-moi une petite minute. Avant qu'on aille sur le slide suivant, je voudrais te faire part d'une réflexion et tu me dis ce que tu en penses. Parce que j'entends ça souvent. On nous dit, regardez Akhenaton, regardez comment il est représenté, sa femme, ses enfants, ils ont des crânes particulièrement allongés, Allongé. ils ont des ventres quand même, ils sont pas mal bedonnants. Attendez, mais est-ce que c'est vraiment à ça qu'ils ressemblaient? Ou ils étaient Non, malades ou... pas, non, non, pas du tout. Parce qu'il faut comprendre que dans la vision des anciens Égyptiens, tout Oui. à l'heure là, on a parlé de qu'on était sous la cosmogonie d'Héliopolis. À tous Oui. les coups, il y avait un élément mâle, un élément femelle. D'accord. D'accord? Ça, c'est la math. Tout Et à fait. donc, dans la cosmogonie africaine, Dieu, il est à la fois, enfin la divinité, je préfère dire la divinité plutôt que Dieu, parce que Dieu, c'est un mot Oui. masculin par Tout à fait. rapport au patriarcat. Donc, dans la vision africaine, la divinité est à la fois mâle et femelle. D'accord. Et d'ailleurs, dans l'hymne de Hapi, à l'époque d'Akhenaton, il dit, tu es mère et père de ta création. Donc, on place déjà la femme avant l'homme. D'accord? Donc, dans la vision, Akhenaton, il est homme. Parce qu'il y a des anciennes représentations où on le voit vraiment viril, quoi, hein, comme Oui. n'importe quel pharaon. Et tout D'accord. d'un coup, à partir de l'an 5, il va changer sa représentation pour donner une forme efféminée. Parce que lui, il est le fils de Dieu sur terre, si on veut. La Tout à fait. manifestation sur terre de la divinité. Et donc, il faut qu'il représente cette androgynie. Comme il est mâle, il va se représenter plus ou moins femelle. D'accord. C'est simplement, c'est une convention. C'est
C'est pour que les gens puissent comprendre. Ok, parce que quand D'accord? on voit, j'ai souvent entendu dire, mais regardez, ils ont des crânes allongés, est-ce qu'ils étaient Non. hydrocéphales, ils avaient des maladies mentales, des maladies Non, du... par contre, il pouvait avoir les crânes allongés, puisque sur la momie de Toutankhamon, il a plus ou moins le crâne allongé. Et c'est une coutume, par exemple, chez les Mambétous, qui habitaient au Soudan et qui maintenant se trouvent au Congo. Effectivement, on pratiquait ça. Chez certains peuples du Rwanda aussi, chez C'est vrai. les Tutsis. D'accord? Donc, c'est une coutume africaine. Et je crois même aussi au Pérou, chez les Incas. Bon, il y avait des peuples qui se déformaient le crâne. D'accord. Donc, Donc, on il y a. pense que lui, il faisait partie d'une ethnie où c'était la coutume. Ok, donc c'est plus une histoire de coutume, aucun Oui. rapport avec une maladie quelconque dont j'ai Non, pu lire ça et là non, des théories. non, non. Ok. Non, non, puisque de toute façon, on a les momies. Et donc, on n'a pas trouvé les traces de cette maladie dans la famille. D'accord, ok. Merci d'apporter la précision. Ouais. Alors, slide suivant, tu m'as dit. Oui. Alors, qu'est-ce qui se Là, voilà. c'est. Bon, je voulais faire allusion. Là, on a des documents, ce qu'on appelle les tablettes cunéiformes d'Amarna. Il y a au nombre de 382. Donc, c'est la correspondance diplomatique des pharaons à l'époque. D'accord? Donc, on a ça. Attendez. Un petit souci là. Oui, c'est juste pour quelqu'un qui voulait passer, pour Oui, ne pas de pas trop problème. déranger. Il n'y a pas de problème. Donc c'est des documents vraiment importants, puisque dedans, justement, on peut se rendre compte de la situation géopolitique de l'époque où vivait Akhenaton, puisque c'est D'accord. la correspondance diplomatique de son père, Oui. Aménophis III, Trois, oui. lui, et même au début du règne de Toutankhamon, son fils. Donc, on a retrouvé sous cette période, quoi. C'est vraiment la période qui nous intéresse. Ça, c'est un document où il y a toute la correspondance. On a le nom des ministres, les noms des rois dans telle ou telle partie, que ce soit en Canaan ou Mitanni, ce qu'ils demandaient au pharaon. En l'occurrence, il y a des tablettes où on voit, ils demandent au pharaon, Akhenaton, puisqu'il y a un roi du Mitanni qui avait fait un traité, une alliance, quoi, c'est des échanges avec son père. Et comme son père est mort, il n'a pas pu honorer ses engagements. Donc, il s'adresse à Akhenaton pour lui dire, ton père m'avait promis telle quantité de statues en or. Honore les engagements de ton père. Et d'ailleurs, ton père ne faisait rien sans parler devant ta mère est au courant. Et donc, finalement, Akhenaton accède à ses doléances et donc il envoie ce que son père avait promis. D'accord. Mais Akhenaton, c'est un petit filou, puisque le père avait promis des statues en or massif, et lui, il a mis du bras plaqué d'or. Donc, du coup, ben, les autres n'ont pas trop apprécié. Et je pense qu'après, finalement, il a réparé son erreur, puisqu'il tout finit bien, quoi. Mais au D'accord. début, il a voulu jouer au plus malin. S'il fallait faire un résumé en quelques mots, c'est les fameuses lettres d'El. Oui, c'est en cunéiforme. Ok. En fait, ce sont des. Comment dirais-je? Ces lettres, elles représentent des. Comment Ben, dirais-je? Des relations diplomatiques, des oui, questions. diplomatique, ça veut dire que bon, un roi, il avait quelque chose à demander à un autre roi, ben il lui mettait ça par courrier, puisque à l'époque, ils n'avaient pas de téléphone portable. Donc c'est ça qui était la preuve de ce qu'il avait demandé. Et donc, il y avait des émissaires qui voyageaient avec ce genre de tablette. D'accord. Et donc, après, on a retrouvé ça en Égypte, dans l'ancienne capitale de Akhenaton. Ok. D'accord. Le slide suivant. Là, on a ce qu'on appelle la stèle de restauration. D'accord. C'est le fils de Akhenaton, Toutankhamon, qui, une fois qu'il devient pharaon, donc lui, il explique que les temples étaient fermés et les statues étaient renversées. Et donc, déjà, ce qu'on voit, les statues étaient renversées, on se doute qu'il s'est passé quelque chose, hein, et que les temples étaient squattés par des lézards. Donc, lui, là où les statues mesuraient, par exemple, 3 mètres, ben, lui, il en faisait remplacer par des statues de 6 mètres. À tous les coups, c'était toujours plus grand. Ok. Donc, c'est ce qui est marqué dessus.
D'accord. Donc, il explique que c'est à l'époque de son père que ça a été fermé. Et Ok. que de toute façon, si on invoquait les dieux, ils ne pouvaient pas nous répondre parce qu'on ne faisait pas les rituels qu'on devrait leur faire. Et donc, il disait que ce soit les dieux ou les déesses, ça veut dire qu'on invoque la divinité sous une forme masculine ou féminine, la divinité ne répondait pas. Donc, ça nous laisse à réfléchir. Nous, si on abandonne notre vision, notre spiritualité, si nos égrégores, comme diraient certains, Oui. donc si on ne leur donne pas à boire et à manger, il ne faut pas s'attendre à être exaucé. D'accord. Donc, ce n'est OK. pas moi qui le dis, c'est marqué déjà sous cette stèle de restauration. Celle-là. OK. OK. Ouais. OK. Donc, c'est quelque chose qui remonte à 3350 ans déjà. D'accord. Le document suivant. Ça, c'est dans la tombe du futur pharaon Haï. C'est ce qu'on appelle le grand Imdaton. Vous voyez, il y a 13 colonnes. C'est ce document que j'ai traduit, translittéré et traduit en 2016 dans le livre que je vous ai montré. D'accord. D'accord? Donc, là, ce que mis à part ça, on a retrouvé plusieurs petits hymnes, c'est-à-dire des textes où on peut se rendre compte exactement de la pensée d'Akhénaton. Donc, on a retrouvé dans la tombe de Mériré, de Pinhas, de Toutou et d'Api, entre autres. D'accord. D'accord? Et là où je voulais aussi en venir, c'est la vision qu'on a d'Akhénaton comme un mauvais pharaon dans la communauté est due à ce livre. Vous voyez? Je ne sais pas Attends. si certains le voient. Attends 2 secondes, je vais arrêter le partage Ouais. de cet écran. Donne-moi 30 secondes. Donne-moi 30 secondes. Top. Et voici, ça y est, on est de retour. Vous voyez ce livre que certains ont peut-être. Je vais faire du mal à son auteur, mais c'est pour la bonne cause. Vous voyez, Akhénaton, le sort tragique d'un pharaon mégalomane, récit historique. Vous voyez, Doumbi Fakoli, Ah, aux tu viens de te éditions faire un nouveau Bénégut. copain. Bon, ce qui m'a fait tiquer, Oui. c'est le sort tragique d'un pharaon mégalomane, récit historique. Et dedans, quand on regarde bien, en fin de compte, ce n'est pas un récit historique, c'est un roman. Parce que quand on fait un récit historique, les trois documents que je vous ai montrés là tout à l'heure, les tablettes cunéiformes, ça, c'est Ouais. des documents de première main. Il y a 382 tablettes correspondances diplomatiques. Là-dedans, niet. La Petite stèle de la réaction. restauration, Peut-être pareil. une petite réaction, une petite réaction. Alors on nous dit récit historique, maintenant là tu nous dis non, 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 dans un roman, Non, bah, non, non, c'est un démêlée. roman, c'est un roman. La stèle de la restauration n'est pas utilisée. Oui. Le grand hymne n'est pas étudié non plus. Donc, ce n'est pas un récit historique, c'est un roman historique. Ok. Exactement comme Christian Jacques y fait. Donc, on ne peut pas se baser là-dessus pour connaître Akhénaton. D'accord? Et quant à la théologie, même égyptienne, ce n'est pas évoqué non plus. Maintenant, parce que là, le temps passe quand même, et je n'ai même pas abordé un dixième de ce que je voulais vous dire. On fera une autre émission le s'il faut, il n'y a Oui. pas de problème. Oui. Donc là où je voulais en venir, c'est par rapport aux grandes villes en Égypte pour comprendre la théologie égyptienne. Il y a la ville d'Abydos. C'est une ville, disons, qu'on va situer. De toute façon, toutes les villes existaient à l'époque du pharaon Narmer. C'est-à-dire vers 3000, les villes étaient là. Donc, à ce moment-là, on est dans la période de Nagada. Et donc, on va représenter la divinité par le faucon. Donc, ce sera son animal totémique. Et donc, dans cette ville, il y a Magnéton qui nous dit que les rois de la première et de la deuxième dynastie étaient originaires de cette ville. C'est pour ça qu'une ville qu'on appelle Tanis, et donc on va appeler ça la dynastie Tanis. Donc, au niveau de la théologie, à cette époque, nous ne savons pas grand-chose, hormis la présence constante du faucon pèlerin, qu'on va nommer Hor, et les Chemchouans, comme on l'a vu. D'accord? Et donc, c'est à partir de la troisième dynastie que va s'achever ce qu'on appelle la période Tinite. Donc, c'est juste les deux premières dynasties. Et à la troisième dynastie, il y a une autre ville qui va prendre le relais, ça va être la ville d'Héliopolis.
D'accord. Bon, il y a des choses que je vais passer. Donc, Héliopolis, c'est une ville qui sera en activité. La plupart des villes en question sont en activité jusqu'à l'époque des Ptolémées. Parce qu'il va se passer une chose, c'est qu'à partir de Ptolémée, le centre culturel, ce sera Alexandrie. Vous voyez? Et donc, à partir de là, les gens ils vont parler constamment d'Alexandrie et non des grandes villes. Donc, il y aura un transfert. Quand même que Ptolémée est un grec qui s'est autoproclamé. C'est un grec, oui. Oui. Voilà. Et donc, bon, on a la grande ville, la ville d'Ounou. C'est de là qu'on vient de voir la cosmogonie. C'est la cosmogonie la plus ancienne. Mm-hmm. Vous voyez? Et donc, c'est là que Hérodote nous dit que se trouvent les plus grands savants. Bon, il y a des choses que je vais passer parce qu'on n'aura pas de temps. À Héliopolis, je peux vous donner le nom de personnage. En 630 avant l'ère chrétienne, il y a eu Solon qui fut l'élève de Psénophis. Donc, on a les noms plus tard qu'il les donne justement dans le traité d'Osiris. Il donne le nom de quelques Grecs qui ont été enseignés, éduqués en Égypte avec le nom de leur professeur. Pythagore aussi a été l'élève d'Hénophis, d'Héliopolis et Platon aussi. Donc, on voit, on a trois personnages quand même qui ne sont pas les moindres, Solon, Pythagore et Platon. Tous les trois ont étudié à Héliopolis. Mais du coup, j'ai une question parce qu'on vient de dire, on l'a expliqué, que les Égyptiens de l'Antiquité n'étaient pas polythéistes. C'est une vue de l'esprit occidental. Ils croyaient en un seul dieu, une seule divinité plutôt, et que ce qu'on a vu, ce sont des manifestations différentes de la même divinité. Alors du coup, la réforme d'Akhenaton, là, c'est quoi exactement qu'on puisse comprendre? Pourquoi alors à ce moment-là on dit que c'est la réforme qui a changé l'Égypte? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi? On est dans la vision européenne. Ça c'est important. Ouh là là, ça c'est très 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 important. Parce que c'est vrai que moi aussi j'ai lu souvent qu'il est devenu tristement célèbre parce qu'il a réformé des changements. Si on va dans la théologie pure, oui. On va dire que Moïse a donné le monothéisme. Mais si on réfléchit, le monothéisme, c'est quoi? C'est la croyance en un seul Dieu. Oui. Mais Moïse, si on va prendre la Torah, on va prendre les 10 commandements. Mmh. Et je vais vous montrer très vite que Moïse n'a pas donné le monothéisme. Mmh. Parce que quand on dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne les serviras pas par un service saint. » Ce n'est pas du monothéisme. Parce qu'à partir du moment où on dit « tu n'auras pas d'autre Dieu », c'est qu'on reconnaît l'existence d'autre Dieu. Donc ça s'appelle la monolâtrie. Ça veut dire, en théologie, il y a la monolâtrie, on reconnaît l'existence de plusieurs dieux, mais on demande aux gens d'adorer un parmi ces dieux. D'accord, c'est la monolâtrie. Et la monolâtrie, c'est une forme de polythéisme, puisqu'on croit en plusieurs dieux. La seule chose, on demande d'adorer un en particulier. Et c'est ce que Moïse va donner. Et d'ailleurs, dans les documents, par exemple, assyriens de Sargon II, quand il ramène, on est en 521 avant l'ère chrétienne, il va ramener 27 290 prisonniers judéens en Assyrie. Il dit « ainsi que leurs dieux ». Donc, on voit que leurs dieux en question, c'était des fétiches, des statues, ce que ces gens-là, ils adoraient. Ils en avaient plusieurs. Une seconde, une petite réaction, parce que là c'est fort ce que tu dis. Une réaction. Et même aussi, on va prendre dans le livre de Samuel, quand les Philistins ils vont enlever l'arche de l'Alliance. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens ». Donc, ce qui veut dire que dans l'Arche de l'Alliance, il n'y avait pas un seul Dieu. Parce qu'il dit, ce sont ces dieux. C'est qu'il y en avait plusieurs. Donc, on est dans le monothéisme. Dans la monolâtrie, donc le polythéisme. Maintenant, le monothéisme, c'est quoi? C'est quand on dit qu'il n'existe qu'un seul Dieu, de façon claire et nette. Donc, ça, on va retrouver ça dans ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe. C'est-à-dire à partir du chapitre 40 du livre d'Ésaïe, où il dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. Or moi, point de salut. » Donc, on dit qu'il y a un seul Dieu. C'est ce que les musulmans ils disent quand ils disent « La ilaha illallah, Mohamed Rasoulillah. » Il n'y a qu'un seul Dieu. Bon, Akhenaton, lui, il exprime clairement.
dans le chapitre 8 du grand hymne, quand il dit « Panetewa nanki uritepef », qui signifie « le Dieu unique, il n'y en a pas au-dessus de lui ». Là, il le dit clairement. Et dans des textes égyptiens aussi, qu'on dit « je suis l'unique, le seul Dieu ». Donc, dans les textes égyptiens de l'époque des pyramides, on le disait déjà. Donc, en fait, alors... Donc, c'est pas, là encore, c'est pas une nouveauté d'Akhenaton. Alors, justement, voilà. Du coup, en fait, Akhenaton ne fait que, comment dirais-je, officialiser ce qu'on connaissait en fait déjà, c'est ça que tu es en train de nous dire ? Non, c'est pas qu'il l'officialisait, c'est qu'il récitait les mêmes prières que ses ancêtres. Maintenant, la réforme d'Akhenaton, c'est quoi ? Je vais vous le dire. C'est que c'est ce qu'on va appeler dans le christianisme l'iconoclase. C'est-à-dire, comme les Égyptiens croyaient en un seul Dieu, mais ils avaient plusieurs représentations de ce Dieu. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dire, maintenant, il n'y aura qu'une seule représentation. Attends. Ouf ! Ok ! Voilà. Là, ça se résume à ça. J'ai dû attendre toutes ces années avant de te rencontrer, avant de enfin apprendre ça. Ah la vache ! Et donc, c'est pour ça qu'il va combattre, il va renverser les autres représentations pour n'en garder qu'une seule représentation. Donc, ça veut dire que puisqu'on croit en un seul Dieu, on sait qu'il se manifeste de plusieurs façons, mais maintenant, on va toujours croire dans ce même Dieu, mais il n'aura qu'une seule représentation. Et en gros, on ne va même pas le représenter. C'est sur les bas-reliefs qu'il sera représenté pour que les gens puissent comprendre. Vous voyez, un peu comme dans les publicités, on va mettre quelque chose, la légende, pour expliquer. Donc, pour expliquer sa croyance, il va faire la représentation du soleil avec les bras qui donnent la vie. Mais dans la réalité, il sait que le soleil est dans le ciel parce que dans l'hymne, il le dit. Il dit, tu te lèves le matin, ton apparition est utile à l'horizon du ciel. Et il dit, quand tu te couches à l'horizon occidental, la terre est comme mort. Il dit, on vit à travers toi. C'est à travers toi qu'on vit. Alors, les amis. Donc, voilà. Les amis. Donc, en gros, c'est ce qu'il a fait, c'est effacer toutes les anciennes représentations et pour dire, maintenant, il n'y a que ça. C'est une représentation, mais peut-être que dans la réalité, c'est zéro représentation. Nous, on a les bas-reliefs pour nous expliquer la présence de la divinité. Mais en gros, ce qu'il a fait, c'est que maintenant, on ne représente plus la divinité puisqu'on l'a sous nos yeux. Aïe. Tout simplement. Ah là, tu réagis encore. Là, les amis. Alors, mes chers chroniqueurs, j'ai besoin d'une réaction de votre part. Là, est-ce que vous êtes bluffé ou pas du tout ? Vous êtes indifférent ? J'aimerais vous entendre, les amis. Dites-moi vos commentaires, je vais les afficher, parce que là, c'est super fort ce qu'on vient d'entendre. Akhenaton n'a jamais... Voilà la réforme d'Akhenaton, la véritable réforme d'Akhenaton. C'était de justement ces fameuses représentations différentes du même Dieu. On les efface une bonne fois pour toutes. On va avoir une seule représentation. Et encore, pas forcément, puisque ce Dieu-là existe déjà, il est au-dessus de nos têtes. Les amis, j'aimerais que vous réagissiez, s'il vous plaît. J'aimerais bien vous voir dans le chat une petite réaction. Dites-moi ce que vous en pensez. Aucune représentation. Alors, les amis. Parce qu'il est sous nos yeux. Tout œil le verra. Alors, les amis, une réaction de votre part. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'aimerais là vous voir dans les commentaires, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ce qu'on vient de voir là jusqu'à maintenant ? Nous avons 1h48 d'émission. Ouais. Pas de réaction ? Vous ne réagissez pas. Alors, tu as ici maintenant la que je salue, qui te dit, je connais Pierre, lui, c'est de la bombe atomique. Ah ben ça, c'est clair. Ce qu'on a entendu là, ouf ! Là, bon, avant de donner la parole aux gens, il y a deux choses que je voudrais évoquer. Oui. Akhenaton, dans les textes de l'époque, on dit Yamokaev, ce qui signifie qu'il est grand à son époque. Donc, le peuple l'a toujours considéré. D'accord ? Et dans le chapitre 13, on dit, en parlant d'enseignant, on dit, on ne connaît personne excepté ton fils Nafakuroé. Donc, on le considère comme un enseignant unique. D'accord ? Parce que c'est sa réforme. Et donc, là maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? C'est Séti Ier. Il y a Bilolo qui le rapporte aussi, le professeur Bilolo, dans son livre, justement, qui est ici, là, sous le créateur. Vous voyez,
le créateur et la création dans la pensée memphite et arménienne. Donc, c'est un livre qui est très bien fait, qui je vous conseille d'avoir. Et il explique, et c'est la vérité, que c'est à l'époque de Séti Ier, le grand-père et son fils, Séti Ier et son fils Ramsès II. C'est là que on va essayer d'effacer les traces d'Akhenaton. Il y a deux personnages, parce que quand vous prenez la liste royale d'Abydos ou de Saqqara, c'est des documents qui donnent les noms des rois depuis le début jusqu'à l'époque, curieusement, de Ramsès II. Pardon. Et ça, dans ces documents, il y a deux personnes, deux souverains qui ne sont pas mentionnés. Il y a la grande reine Hatshepsut et il y a Akhenaton. Pourquoi ces deux personnages? Il faut savoir que Ramsès, c'est lui le pharaon mégalomane. 67 années de règne, et parce qu'on sait qu'il a essayé de usurper beaucoup de monuments de ses prédécesseurs, en effaçant leur nom et en mettant son nom. Et donc, il adorait sa reine Néfertari. Donc, il a fait un temple à Abou Simbel, à Sagra, et etc. Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus. Et donc, il ne pouvait pas imposer Néfertari comme la plus grande reine en présence d'Hatshepsut, qui en vérité est la plus grande reine. Celle qui a fait l'expédition dans le pays de Punt, qui a vraiment éduqué Thoutmôsis. Donc, c'est une femme respectable. Et donc, il fallait effacer ses traces pour imposer Néfertari comme étant la plus grande femme de l'histoire égyptienne. Donc, ça explique pourquoi on n'a pas le nom de Hatshepsut. Et après, il arrive juste après le règne de d'Akhenaton. Et donc, il fallait aussi effacer les traces de ce pharaon qui était considéré à son époque. Et donc, c'est à partir de là qu'on va essayer d'effacer les traces d'Akhenaton, mais il a échoué, puisque la preuve, c'est qu'on en parle et on a beaucoup de documents sur lui. On a retrouvé la tombe de son fils Toutankhamon, qui est la seule tombe trouvée inviolée, d'accord? Et le personnage qui a vraiment précipité, puisque souvent sous les réseaux sociaux, j'entends des gens dire que c'est Akhenaton qui a précipité la fin de l'Égypte. Non. Sinon, on n'aurait pas eu des pharaons brillants après le règne d'Akhenaton comme Ramsès II, comme Ramsès III, etc., ou comme Taharqa. Donc, il y a beaucoup de pharaons qui se sont succédés et non des moindres. Donc, ce n'est pas ça qui a précipité la fin. On dit qu'Akhenaton, il aurait enseigné à des étrangers. Mais non, pas du tout. Il n'a pas enseigné à des étrangers. Il faut savoir que depuis Thoutmôsis, les petits princes des pays suzerains, donc, on leur donnait une éducation égyptienne pour en faire de bons fonctionnaires qu'on réinjectait après dans les pays de Canaan. Exactement comme la France fait avec nos dirigeants africains. On les forme ici et puis on les envoie en Afrique et ça fait de bons dictateurs. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'accord? Ça existait bien avant Akhenaton. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai dit qu'Akhenaton essayait plutôt de se moquer des rois étrangers en voulant jouer au plus malin avec eux. Donc, ce n'était pas quelqu'un qui estimait beaucoup les étrangers. D'accord? Maintenant, le pharaon qui vraiment a précipité la chute de l'Empire égyptien, je vais vous donner son nom, c'est le pharaon Psamétique. Et donc, lui, il faut savoir qu'après le règne des pharaons éthiopiens, ce qu'on appelle la 25e dynastie, que certains appellent les pharaons noirs pour faire croire que les autres ne l'étaient pas, donc eux, le but des Éthiopiens, c'était d'aider leurs frères à se débarrasser des Libyens, d'accord, descendants des peuples de la mer. Donc, une fois qu'ils ont accompli leur mission, le but, ce n'était pas de coloniser l'Égypte. Donc, ils ont dit aux Égyptiens, on vous a débarrassé de l'ennemi, maintenant prenez votre pays en main. Les Égyptiens, les petits princes ont commencé à se battre entre eux, la guerre des petits chefs. Et donc, il y avait 12 prétendants au trône. Et parmi les 12, il y a eu un qui a été plus malin, entre guillemets. Il était originaire de la ville de Saïs, où il faisait déjà du commerce avec les rois étrangers, les Phéniciens et les Grecs. Donc, il a demandé à ces gens-là de lui donner l'armée, d'envoyer des mercenaires pour prendre le pouvoir. Et donc, personne ne fait rien gratuitement. Hein. Effectivement. Quand la France envoie des soldats dans les pays africains pour aider, entre guillemets, c'est pas gratuit.
Quand les Américains ont été en Irak, c'était pas gratuit. Quand les Russes ont été aussi en Afghanistan, Pakistan, il y a quelques années de cela, c'était pas gratuit, c'était pour prendre le pays. Et donc, il faudrait que je retrouve les passages pour vous les lire vraiment. Parce que c'est vraiment fort de chez fort ce qui va se passer. Pendant que tu cherches les... Oui, parce que comme j'ai un manuscrit là, j'ai de 850 pages sur tout ça. Donc, il y a toute l'histoire du peuple noir, des origines jusqu'à la fin, à l'époque ptolémaïque. Les amis, n'oubliez pas de faire ceci pendant l'émission. On revient juste après. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je viens d'ouvrir la ligne, les amis, alors n'hésitez pas à venir poser vos questions en direct. Il ne reste plus beaucoup de temps. C'est vrai que ça demandait des explications, de la mise en contexte. Mais venez, n'hésitez pas, j'ai mis le lien dans le chat. Donc, si vous voulez discuter, échanger avec notre invité, Pierre Nilon, c'est le moment. Parce qu'après, quand c'est fini, c'est fini. Ne venez pas à la dernière minute comme vous adorez le faire. On ne va pas abuser aussi du temps de notre invité parce que lui aussi, il a des obligations personnelles. Donc, les amis, vous voulez échanger avec le professeur Nilon, c'est maintenant. Alors, je vous remets encore le lien. Là, c'est maintenant, il faut venir. Sinon, après, quand c'est fini, c'est fini. Oui. Allez, amis. Donc, le pharaon samétique, c'est en 664 avant l'ère chrétienne. Et justement, c'est à partir de ce moment-là qu'il y aura le déclin de l'Égypte. Donc, lui, une fois que les étrangers vont l'aider à prendre le pouvoir, en échange, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner des titres de propriété terrien. Donc, on ne peut plus chasser quelqu'un qui a un titre de propriété. Il est chez lui en Égypte. Oui. Et il va leur ouvrir les portes des temples égyptiens. Et c'est là qu'apparaît ce qu'on va appeler le miracle grec. Donc, c'est là, à partir de ce moment-là, que les Grecs, puisqu'ils ont le droit de venir en Égypte, il y aura la première ville grecque en Égypte. C'est-à-dire une ville typiquement grecque qu'on va appeler Naucratis. Et donc, tous les Grecs, ils vont arriver par là, ils iront à Saïs, où il y a le temple de Niet, qui est la déesse, on va l'assimiler à la déesse Athéna, chez eux. Et donc, ils seront les bienvenus dans cette région, ville de ce pharaon. D'accord? Et donc, ils seront chez eux, ils sont en territoire conquis, ils vont pouvoir étudier. Et c'est là que le déclin du monde noir va commencer. Et je vais vous lire un passage. Donc, c'est dans Diodore de Sicile, Histoire 1, chapitre 66. Il dit « Samétique de Saïs, l'un des 12 rois, était souverain du pays littoral et entretenait un commerce actif, principalement avec les Phéniciens et les Grecs. » Les Phéniciens, c'est les Juifs, d'accord? « Samétique fit venir des troupes auxiliaires de l'Arabie, de la Carie et de l'Ionie et vainquit ses rivaux en bataille rangée aux environs de la ville de Memphis. » Il y a un autre passage, cette fois-ci c'est Hérodote, Histoire 2, paragraphe 154. Il dit « Aux Ionais et aux Cariens, c'est les Grecs, qui l'avaient secondé, Samétique donna des terres. » Ça, Akhenaton ne l'a pas fait, hein? Aucun pharaon l'a fait. « Où s'établir, situé vis-à-vis de chaque côté du Nil. On appelle cet endroit les camps. Il ordonna ce territoire et s'acquitta également de toutes ses autres promesses. » Vous voyez? C'est lui le traître. Rappelle son nom, s'il te plaît. Samétique, en 664. Il leur confia aussi des jeunes Égyptiens à qui enseigner la langue grecque. C'est-à-dire, il a envoyé nos enfants chez les Grecs qui sont là pour apprendre leur langue. Ces jeunes gens qui apprirent notre langue sont les ancêtres des interprètes qu'on trouve aujourd'hui en Égypte. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu un métier où des gens vont faire leur métier d'interpréter. C'est-à-dire, tout ce qui est dans nos traditions, les gens, aussi bien les Grecs que les Égyptiens, ils vont faire des transferts de connaissances. Donc, les textes égyptiens seront interprétés pour les Grecs qui vont les recopier dans leur langue. D'accord? Ils disent, c'est depuis leur installation en Égypte et grâce à leur relation avec la Grèce que nous avons, nous autres Grecs, une connaissance exacte de l'histoire de l'Égypte à partir du roi samétique. Car ils ont été les premiers hommes parlant une langue étrangère à s'établir en Égypte. Voilà. Attendez, c'est pas fini hein, avec le samétique. Il va faire encore plus fort.
Il, en parlant de Samétique, fit une alliance avec les Athéniens et avec quelques autres Grecs. Il recevait hospitalièrement les étrangers qui venaient volontiers visiter l'Égypte. D'accord? Il aimait tellement la Grèce qu'il fit apprendre à ses enfants la langue de ce pays. Vous voyez? Ouais. C'est-à-dire, il interdisait à ses enfants de parler l'égyptien pour apprendre le grec. Ça me rappelle aux Antiques, on nous disait, il ne faut pas parler notre langue, il faut parler le français. C'est ça. Eh bien, il n'y a rien de nouveau. Enfin, le premier d'entre le roi d'Égypte, il ouvrit aux autres nations des entrepôts de marchandises et donna aux navigateurs une grande sécurité, car les rois, ses prédécesseurs, avaient rendu l'Égypte inaccessible aux étrangers qui venaient l'aborder. Donc voilà, c'est clair, la messe est dite. Ok, alors on va en profiter, maintenant on va accueillir, c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, et il va falloir qu'on fasse d'autres émissions, Pierre, parce que là, oui, parce que... il y a trop de choses, hein, il ne faut pas que tu t'en ailles comme ça, avec un cliffhanger aussi important. Le rendez-vous est pris, on va se revoir. On va accueillir maintenant, juste après ça, notre premier ou première panéliste pour commencer les échanges avec notre invité. C'est parti. Alors, on est de retour, notre ami Pierre a un petit problème technique. Ah, il est de retour. Ok, il est parmi nous, c'est parfait. Oui, Yvonne, oui. On voit, hein, tu as un beau front bien dégagé, mais c'est tout ce qu'on voit. Si on pouvait te voir, ce serait vraiment apprécié, ma chère Yvonne, parce que tu connais le principe, on ne se cache pas dans la chaîne ici. On est entre nous, on discute. Yvonne ? On ne t'entend pas, Yvonne ? Et on ne te voit pas. On aperçoit... un glimpse de... Yvonne ? Parle dans ton micro parce que je ne t'entends pas. Hein. Je n'entends absolument rien. Là, vous m'entendez ? Yvonne, non. Est-ce que tu m'entends ? Allô ? Fais-moi un pouce devant la caméra si tu m'entends. Yvonne est partie. On va faire une toute petite pause, les amis, le temps de laisser Yvonne revenir, le temps de laisser Pierre revenir. On fait une petite pause d'une petite minute. Non, je suis là. Ok, mais on va laisser juste une petite minute, le temps que Yvonne revienne. On revient, les amis. D'accord. Ça ne va pas être très long. On revient juste après ça. De retour toujours en direct live sur The African Chronicles avec notre invité Pierre Nilon. Nous avons discuté pendant près de 2 heures sur le règne d'Akhenaton et on a fait tomber un mythe. Et oui les amis, je vous dévoile pas quel est ce mythe pour ceux qui n'ont pas suivi l'émission, je veux pas spoiler, donc revoyez l'émission en rediffusion un petit peu plus tard, mais c'est du
Lourd. Alors, on va accueillir un autre panéliste en attendant qu'Yvonne, tu sais que tu es la bienvenue, hein, reviens quand tu veux. Et on va continuer notre jeu de questions-réponses avec notre invité. Mais on ne va pas rester trop longtemps parce qu'il est occupé. Hein. On ne va pas abuser à Yvonne. Non, ça va. Ah, parfait. Alors, on accueille mon cher Yannick. C'est un réel plaisir de te voir, mon cher. Comment vas-tu ? Salut, salut. Vous m'entendez ? On t'entend très, très bien. Bonsoir, professeur Nylon. Bonsoir. Frère Django, bon, toi tu connais notre affaire, on se connaît depuis X ans, donc il n'y a pas besoin de reparler de ça ici. Absolument. Ça me fait plaisir pour la première fois de parler au professeur Nylon, parce que bon, j'ai suivi de temps en temps ses émissions, mais bon, c'était l'occasion rêvée de donner de pouvoir lui parler. En fait, professeur, j'aimerais savoir. Avec toute la richesse des informations que vous avez, bon, il n'y a pas seulement que vous, hein, je pense que bon, bah, il y a Dibon Barry, il y a bon, plus d'autres professeurs et tout ça, qui contribuent à la Renaissance et donc à resituer les choses dans le contexte culturel africain. Est-ce que est-ce que vous avez l'occasion de mutualiser vos connaissances, d'avoir en quelque sorte des bases de données communes pour encore enrichir plus ou bien chacun travailler de son côté sans jamais se recroiser? C'est mon plus grand regret, c'est justement ça, parce que à plusieurs reprises j'ai essayé de travailler avec certaines personnes, mais apparemment, je sais pas s'il y a des problèmes d'ego dans la communauté, ça capote toujours. Donc, si les gens ils veulent bien se rencontrer, mais pour discuter, pour refaire le monde, quoi. Mais pas pour travailler. Parce que le travail, ça demande beaucoup de sacrifices. Parce que, c'est, disons, si je me posais la question, je me disais, mais avec toutes ces richesses d'informations-là, pourquoi n'y aurait pas quelque part une base de données commune qui ne serait accessible qu'aux futurs égyptologues africains ? Basé sur vos connaissances et tout ce qui a été fait auparavant par d'autres égyptologues, construire cette base de données commune là, bon, excusez-moi, moi je parle de ce point de vue, base de données, parce que bon, je suis informaticien. Pourquoi tout ce qui a été translittéré, tout ce qui a été recherché en fait par vous, pourquoi on ne pourrait pas construire une sorte de base de données commune, en fait, des points de référence sur lesquels les futurs chercheurs, les futurs thésards en égyptologie africaine, bon, je dis bien hein, pour les égyptologues noirs, pour ne pas qu'on se fasse voler une fois de plus nos connaissances, pourquoi on ne créerait pas ce genre de base de données commune, de telle sorte que, bon, ben voilà, même les personnes lambda puissent avoir accès à ces connaissances-là, que ce soit par des biais de petites vidéos ou par des biais de textes plus importants. Et voilà, de telle sorte que bon, ben, les gens puissent venir faire les recherches, parce que bon, ben, comme on dit, on ne sait jamais quoi. Aujourd'hui, on a accès à YouTube. S'il y a un certain nombre de vérités qui commencent à sortir, vous les connaissez, hein, la censure, vite fait, bien fait. Donc, c'est juste pour ça que je posais la question. Et en tout cas, merci pour tout. Merci encore. Voilà, c'était ma modeste contribution au travers de petites questions. Oui. Merci à vous. Personnellement, s'il y a une institution dans la communauté où on peut vraiment centraliser tout ça, je suis partant. J'ai toujours préféré que de travailler seul, parce que seul, c'est très plus difficile. Quand on est en groupe et avec des gens qui veulent travailler, hein, puisque j'ai vu des fois des gens former des groupes, mais c'était plutôt pour discuter. Même moi, on m'a fait rentrer sur pas mal de groupes WhatsApp, soi-disant pour travailler pour la Renaissance. Et je voyais que les gens se contentaient de partager des vidéos, de commenter des vidéos. Quand je disais, mais quand est-ce qu'on travaille sur telle chose, j'étais toujours trop pressé. Par exemple, je suis sur un groupe WhatsApp, on doit travailler sur la liste d'Abydos. Il y a 76 noms. Moi, j'ai rendu ma copie, il y a une autre fois qui a rendu sa copie, mais les autres, jusqu'à maintenant, ils n'ont même pas déchiffré 10 noms. Et ça fait des mois que ça traîne, vous voyez? Donc, quand c'est comme ça, c'est très difficile de travailler.
D'accord. Ben, donc dans ce cas-là, même si vous étiez initialement que de bon, il faut commencer petit. Hein, on ne peut pas penser que tout le monde va, disons, va venir joindre le groupe. Même si il y a que deux personnes qui commencent, ça fera déjà, pour moi, je pense, ça fera déjà une base. Et puis après, bon, ceux qui veulent rejoindre, ils rejoindront. Sinon, tant pis pour eux. C'est tout. Donc voilà. Ben, ce n'était que mon petit point de vue. En tout cas, merci beaucoup, professeur. Et Chango, comme on dit, hein, on s'attrape plus tard. Avec grand Merci. plaisir. Mon cher Yannick, tu restes avec nous si tu veux, hein, si tu as Oui, d'autres questions, je tu as suis là, bien. je t'inquiète pas, je suis. Il n'y a pas de Lingan, bonjour, hein, dans la foulée. Hein. Monsieur Julgan. Bonsoir, bonsoir à vous, bonsoir à vous. Bonsoir, Jules. Ah là là, Chango, petit frère, félicitations. Ah, tu m'as fait plaisir pour deux choses. Le journalisme n'est pas une question d'aliénation au niveau de leurs établissements. Le journalisme, c'est ce que tu fais. En fait, le journalisme, c'est amener l'autre à se surpasser, à expliquer davantage ce qu'il sait. Et en fait, tu es l'une des rares personnes que j'ai vues qui amène le professeur. Bien, Nilon, bonsoir professeur, Bonsoir. à sortir ce qu'il a comme jus. Et c'était une satisfaction, mais si tu vois, sur ma... je ne sais pas si vous voyez la joie que j'ai là. Au-delà de ce que le professeur Pierre Nilon nous a partagé, il y a énormément de questions que je me posais, que je n'ai pas eu besoin de poser. Et grâce à ton travail d'investigation, Chango, j'ai eu toutes les réponses à mes questions, pratiquement. Et ça, c'est impressionnant. Et c'est ça qui m'a marqué, en fait. J'ai remarqué quelque chose. Et le professeur Pierre Nilon l'a dit. Et Chango, tu avais fait la remarque la dernière fois. Tu avais dit qu'on essaie de monter une espèce de groupe de recherche scientifique qui permettrait de structurer notre combat. C'est exactement de ça dont le professeur Pierre Nilon parle aussi. J'avais juste une question à poser. Ce n'est pas une question spécifiquement, mais c'est une réflexion. Le professeur Pierre Nilon, quand il parlait et qu'il essayait de nous expliquer les divinités égyptiennes, il a dit quelque chose. Il a dit ce qu'on considère comme de la religion, c'est la science. C'est la science, tout à fait. Et ça a fait dresser mes cheveux. Et j'ai dit, eh bien, effectivement, je comprends mieux pourquoi est-ce que mes ancêtres disaient toujours, et mes grands-parents encore là, disent toujours, il n'y a pas une différence entre la culture, nos cultures traditionnelles, la science et l'intérêt que nous portons à la nature, donc à ce qu'ils appellent ici les religions, en fait. On n'appelle pas ça les religions chez nous, on appelle ça, c'est encore eux qui ont donné les noms. Nous, on ne donne même pas spécifiquement un nom à ça. Mais c'est vrai que quand on est intéressé par notre perception du monde, on voit que le noir est foncièrement spirituel et donc foncièrement scientifique parce qu'il s'appuie sur le vécu. Donc, c'est juste cette petite remarque que je voulais appuyer et vous dire à tous merci. En fait, je suis monté pour dire merci à vous tous. Bonsoir Yvonne, bonsoir Yannick, j'espère que vous allez bien. Merci professeur Chango, franchement, on va savoir en off. Tu m'as donné ma joie. J'ai reporté mon live d'une demi-heure et de toute façon, je ne pouvais pas le commencer, ce n'était pas possible. J'avais mis pour 19 heures, je me disais, tu vas le faire pour 2 heures, c'est fini. Ah, j'ai dit, non, c'est bon, allez, ils vont attendre. Merci à vous, merci. Merci, mon cher Jules. Merci pour ton intervention. On va sans plus tarder accueillir Yvonne. C'est un plaisir de te voir, Yvonne. Je crois que c'est la première fois que tu nous rends visite, hein? On t'entend à peine. On t'entend à peine. Ouais. On te voit très très bien, mais le son par contre. Ah, ah, là on ne te voit plus du tout. Je vais vous remettre. Vous Ah, là m'entendez on t'entend mieux? bien, mais on ne te voit plus maintenant. Yvonne? Zut alors, Yvonne, pendant une Oui, vous fraction. m'entendez. Ah, dis quelque Allô? chose? Oui, Allô? ah, Allô? parfait. On t'entend. On Allô? t'entend. Oui, on t'entend. On t'entend. Ah. On Allô? t'entend. C'est elle Oui, qui nous entend plus tu maintenant. nous entends pas. Aïe, aïe, aïe. Décidément, quand la technique veut pas, ça veut pas, hein.
Ah ben, j'ai eu peur de la technique cette semaine, t'en sais quelque chose. Est-ce que vous m'entendez? Je ne vous vois plus. On t'entend et on te voit. Yvonne, on te voit. C'est dommage. Yvonne, on t'entend. Bon. On te voit. Attendez, je vais l'écrire en chat privé parce que... Attendez, non, je vais l'écrire là, dans les commentaires. Yvonne, on te voit. Oui. Ah, bah, décidément, pas de chance. Alors, je voudrais rebondir sur la première question. En attendant qu'Yvonne ou qu'un autre, ou une autre, j'aimerais bien voir des femmes, hein, parce que je n'ai pas envie qu'on pense que c'est une conversation de copains et que nos sœurs ne sont pas les bienvenues. Donc, mesdames, nos frères, nos jeunes sœurs, là, tout âge, vous êtes les bienvenues, n'ayez pas peur. Faites-vous belle si vous voulez vous faire belle, parce qu'on connaît la coquetterie féminine, on connaît un petit peu la question. Vous êtes les bienvenus. J'aimerais rebondir sur ce qu'a dit Yannick tout à l'heure, qui était, et aussi Jules. Cette volonté peu apparente de travail collectif. Ce que je regrette personnellement, et c'est vrai que j'en avais parlé ailleurs, depuis la conférence du Caire de 1974, bon, il n'y a pas eu grand-chose. Et j'aurais aimé qu'il y ait peut-être un peu plus de conférences entre les chercheurs que vous êtes, Pierre et tous les autres, afin de justement concaténer cette information et pour ensuite la rendre un peu plus accessible à nous, parce qu'on a envie d'apprendre. Hein, nous ne sommes pas tous perdus dans la nature, on a envie d'apprendre et de comprendre. Est-ce que... Allez, moi, je tends la main. Moi, je l'ai dit dans une émission de Jules, moi, je suis prêt à être partie prenante et participer à une organisation avec tous les chercheurs qui veulent bien, qu'ils soient francophones ou anglophones, moi, pas de discrimination, pour organiser une conférence entre vous, puis que vous débattiez sur un sujet, afin que scientifiquement, il y ait un consensus pour dire on est d'accord sur telle ou telle chose, on peut officialiser, ou sur ça, par contre, on n'est pas d'accord, on n'a pas trouvé de consensus, ça va rester dans l'ordre de la théorie, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure dans l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je suis prêt, je lève la main, voilà, moi, je suis prêt à participer. Est-ce que, qu'est-ce qu'on peut, comment on peut faire pour tenter d'organiser quelque chose de ce type-là? Et ensuite, on va reprendre les questions sur Akedaton. Est-ce que toi, tu as une petite idée personnelle qu'on pourrait mettre en place, mon cher Pierre? Est-ce qu'on pourrait... par quoi on pourrait commencer? Moi, je suis un chercheur, pas un organisateur. Donc, ça, je laisse plutôt le soin à ceux qui ont l'habitude. Mais toujours est-il que moi, je suis d'accord pour discuter, pour débattre tous ces sujets avec n'importe qui, que ce soit dans la sphère anglophone ou francophone. Il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout au niveau des médunétaires, il y a beaucoup de choses qu'on peut débattre. C'est-à-dire, même au niveau, par exemple, il y a des lettres, des variantes, par exemple, R qui devient L, T qui devient D. Donc, on peut essayer de retrouver ce que j'appelle la valeur alphabétique de chaque médou, chaque hiéroglyphe, et savoir exactement comment on vocalisait au lieu de rester dans la convention de Gardiner. On dit que les Égyptiens, c'était des Africains, des Noirs, donc ils parlaient forcément une langue de chez nous. C'est ça. Donc, pourquoi rester dans ce qu'on appelle l'espérantos, la convention européenne? Donc, non, il faut vraiment maintenant qu'on dise, voilà comment ils prononçaient tel mot, voilà les différentes significations de ce mot-là. Vous voyez? Voir le champ sémantique. C'est entendu. Voilà. Et je prends acte. On va se parler en off à l'occasion. Et si on a la possibilité d'organiser quelque chose comme ça, moi, je suis partie prenante avec grand plaisir. Moi, je ne demande que ça. Et surtout, par exemple, là, on fait, comme je l'ai dit, on fait un travail sous le nom des pharaons. Oui. Donc, il y a l'étape de Saqqara, il y a de la liste royale d'Abydos. Donc, maintenant, le travail consiste aussi à retrouver les vrais noms tels que c'était, et non de rester dans des noms imposés encore par les Européens, des noms conventionnels, parce que les noms sont portés en Afrique. Ça n'a pas pu disparaître comme ça. Je veux bien qu'aux Antilles, par rapport à l'esclavage, on nous a débaptisés, mais les frères du continent, ils portent leur nom. Donc, les noms sont là sur le continent. On peut les retrouver. D'ailleurs, j'en ai retrouvé quelques-uns. Hein, voilà. Et ça permet de savoir les ethnies qui peuplaient la vallée du Nil à cette époque.
Merci pour cette précision. Donc, on va essayer d'organiser ça. Je lis le commentaire de Meyama qui dit « Mon frère Shango qui a la voix de Motsunde, merci de me… » Bon, au moins, j'ai quelque chose de commun avec lui. J'ai deux choses, sa voix et on est Guadeloupéens ensemble, Africains de la Guadeloupe. Bon, ben, j'ai au moins quelque chose en commun avec Motsunde. Merci d'avoir invité mon frère Pierre. J'espère que ce sera renouvelé. Évidemment, là, Pierre, tu sais que tu es tombé dans une espèce de… comment dire, un vortex. Tu ne peux pas ne pas revenir dans cette émission, tu le sais. Hein, je reviendrai avec plaisir parce que j'accepte très peu d'interventions, mais c'est toujours avec les gens que j'estime, c'est-à-dire des gens qui font un métier vraiment de façon professionnelle, pas des émissions où les animateurs font du n'importe quoi et s'expriment n'importe comment, parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent, donc on est là pour valoriser une culture, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Ça, c'est dit, entendu et reçu très bien. Tu as absolument raison. On va accueillir Ice Joe et ensuite, on va laisser la parole à Dominique. Ma chère Aïssata, je ne te vois pas. Est-ce que tu peux activer ta caméra, s'il te plaît? Ce serait apprécié. La parole est à toi, Ice Joe. Bienvenue. Oui, Otep. Bonsoir à tous. Otep, Shango. Otep, grand chercheur Pierre Nilon. Okay. Je ne vois pas les noms. Otep à… Jungan, je crois, Otep Angangan, Otep à Yannick, Otep à Dominique Dalaling. Donc, voilà, c'est un plaisir, hein, comme d'habitude, de venir sur ton live, hein, sur tes cours, hein, Shango. Très intéressant. Je remercie, moi, je suis venu surtout remercier. Hein. Après, j'aurai une petite question, une pseudo-question à poser. Et proposer aussi peut-être des solutions en posant la question au professeur Pierre Nilon. Merci pour votre travail. Moi, je suis étudiant, de la vie, hein, étudiant de vie, chercheur. Je cherche aussi, j'apprends beaucoup de choses sur justement l'égyptologie. Mais en général, je me focus plus sur des connaissances anciennes qui peuvent servir aujourd'hui. De mon point de vue. Vous avez dit qu'on n'arrivait pas à trouver des chercheurs, on n'arrivait pas à trouver de consensus. Enfin, je ne suis pas chercheur au sens… mon métier, je suis plutôt dans les sciences appliquées, les sciences des matériaux et informatique, donc ingénierie en sciences des matériaux et informatique. Enfin, donc, je ne suis pas vraiment un historien comme vous ou un chercheur dans votre sens, quoi. Ma question, c'était… les chercheurs n'arrivent pas à travailler ensemble. Apparemment, c'est de l'ego, mais c'est pas que lié à notre communauté, parce que même dans le monde de la physique, dans le domaine de la physique, pendant les grandes concurrences de la recherche en physique, les avancées en balistique, chacun travaille un peu dans son laboratoire, dans son coin, parce que… Mais là c'est la science. Il n'y a pas de problème là-dessus. Surtout… Pardon ? Vas-y, c'était un écho. Oui, d'accord. Donc, je me dis, est-ce que ce serait peut-être pas mieux de former des petits groupes de 2-3 personnes, comme le frère Yannick l'a dit tout à l'heure, 2-3 personnes, et de les faire croître de manière organique, c'est-à-dire… Ensuite, quand on voit un chercheur qui a vraiment la volonté, un quatrième, on lui propose, est-ce que tu veux travailler avec nous? Voilà ce sur quoi on travaille. Et puis l'agréger ensuite en deuxième. Ensuite, comme ça, de proche en proche, former un agrégat, un peu comme la croissance des fractales. Hein, former des agrégats avec la même structure, la même conscience de base, mais qui grandit, et puis qui devient… quasiment un institut reconnu avec des personnes qui s'appliquent à chaque tâche, des tâches partagées, comme par exemple les noms, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure, les noms, que chacun dise, bon, moi je traduis les 100 noms, moi je prends les 100 premiers, toi tu prends les 100 deuxièmes, les 100 troisièmes et ainsi de suite. Est-ce que ce type de croissance organique là ne serait peut-être pas, parce que bon, c'est un peu ce que nous, on essaye d'appliquer. Je peux quand même dire, je suis de l'Institut Africa Math. On essaye comme ça de… Étant donné qu'on ne peut pas former un groupe d'un seul bloc, on a vu que dans notre communauté, même dans l'histoire, hein, que ce soit afro-américaine, afro-africaine, afro-africaine, caraïbienne, quand on forme un groupe inhomogène, hein, on veut former un gros groupe tout de suite,
en général, il s'effondre sous son propre poids parce que la structure, le noyau n'est pas suffisamment solide. Est-ce qu'il ne faut pas d'abord former un petit groupe 2, 3, 4, 5, 6 et croître de manière organique plutôt que de créer une grande association de 50 chercheurs, sachant que en réalité, la loi du 80-20, moi je dirais même du 5-95, en général, il n'y a que 5% de personnes qui sont vraiment déterminées, qui savent pourquoi elles sont là, qui se connaissent elles-mêmes, qui connaissent leur but dans la vie, leur mission de vie, et qui sont prêts à tout donner, à se sacrifier, à mouiller le maillot pour avoir des résultats. On sait que c'est du 5%. Est-ce que ce ne serait peut-être pas mieux de se prendre 5 dans les 5% de partout et d'en former un gros 5%, et ce 5% pourrait travailler pour la masse, la majorité, plutôt que de prendre un groupe inhomogène au départ, et il y a tellement de bras cassés que ça décourage même les personnes qui étaient les plus motivées au départ, et puis on se retrouve toujours à la case départ. Est-ce que ce serait pas mieux d'aborder ce type de croissance, professeur Pierre Nilon? Moi, je suis partant pour toutes les bonnes idées. Donc, je pense que oui. Nous, de toute façon, sur le groupe où je suis, nous ne sommes pas nombreux, hein, peut-être 5-6 personnes. Et malgré ça, je trouve que ça n'arrive pas à avancer comme je le souhaiterais, quoi. Oui, effectivement, parce que quand je prends la liste royale d'Abydos, je prends ce document, il y a 76 ou 77 noms. Donc, pour moi, quelqu'un qui connaît les Médous, pour translittérer, donner un premier jet, quoi, parce que c'est comme ça que je vois ça. Si on prend 3 minutes par nom, en une journée, c'est fait. On a tout terminé en une journée. Après, ça, c'est ce que j'appelle un premier jet. Donc, chacun propose et après, on peut débattre. On peut voir les variantes et on peut dire, tiens, pourquoi tu as translittéré comme ça? L'autre va dire, ben, parce que pour moi, tel Médou, par exemple, le roseau qui est classé M17 dans le Gardiner, pour moi, c'est la lettre A. Mais je sais que dans certains manuels, ça va être la lettre I. Donc, après, on peut en débattre pour savoir est-ce que, parce que même les égyptologues, beaucoup traduisent par le A. Vous voyez? Donc, on peut essayer de discuter pour savoir si c'est le A. Dans ce cas, il faut le démontrer sous plusieurs cas, pas sur un nom, dans tous les cas de figure. C'est comme D'accord. ça qu'on travaille. Donc, on va faire des correspondances, par exemple, comme chez Cantadiop, il l'a fait. Il va prendre soit, par exemple, le N en langue pharaonique, qu'on va passer en Wolof, ça va donner le L. Donc, il va donner toute une série de mots où on voit cette correspondance, cette mutation, etc. Par exemple, il y a le hiéroglyphe qui est classé AA1. On va dire c'est le placenta. Donc, généralement, on va dire c'est la lettre K, mais il faut savoir que c'est aussi la lettre S. Donc, ça a une double valeur. Et ça s'explique, par exemple, aux Antilles. On va retrouver la même chose, par exemple, en Guadeloupe, pour dire bonjour, on va dire « ka ou fait ». En Martinique, on va dire « ça ou fait ». Donc, on voit déjà, dans cette langue, le « ka » va évoluer en « s ». Et ça explique pourquoi, par exemple, le nom de Hermopolis, donc dans les manuels, ils vont mettre « kemenu ». Donc, ils vont mettre le placenta, on va mettre le « ka », alors que c'est un « s ». Et en fin de compte, ça va faire le mot, jusqu'à maintenant, en copte, ils disent « shmoun ». Ils vont l'appeler Ashmoun. Donc, c'est Ash, c'est les gens de Shmoun, c'est la ville d'Héliopolis. Donc, d'accord. Le vrai nom, c'est Shmoun, qui en hébreu ou dans les langues sémitiques signifie 8. Voyez? Et le mot Kemenu n'existe dans aucune langue sur la planète pour dire 8. Donc, sur ce genre de choses, on peut voir qu'il y a une erreur. Ça, c'est quelque chose, c'est technique, quoi, qu'on peut démontrer en donnant vraiment des parallèles. Bon ben on va essayer d'être les, comment dirais-je, le trigger, le déclencheur. Moi je l'ai dit, hein, je me propose de tenter d'organiser quelque chose, mais on va en parler en off. On va essayer de faire tourner la parole parce que le panel s'est bien rempli. Merci, merci en tout cas, puisque en plus comme je pourrais pas rester trop longtemps, donc si les gens peuvent poser les questions que je puisse. Tout à fait. Donc on va essayer de faire tourner les questions au plus vite, les amis. Excusez. Merci de votre patience. On va donner la parole à Dominique. Tu es la bienvenue. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'endroit où tu te trouves. C'est la première fois que je te vois, ma chère Dominique. Bonjour Dominique. Son micro est coupé? Oui, son micro est coupé. Ah. Alors oui, bonjour. Je disais que oui, c'est la première fois parce que c'est grâce à Pierre en fait. On est en contact, oui. Pierre et moi. Donc du coup, il m'a invité
à venir voir ce qui se passait sur la chaîne de Shango. Donc, voilà. Donc, je ne suis pas déçue, effectivement, parce que même après avoir longuement discuté avec lui, j'ai quand même beaucoup de questions, mais je n'en poserai qu'une seule. Je m'y poserai directement pour les autres. Oui. Non, en fait, après avoir lu un de tes livres qui parle de Moïse et avec ton intervention, j'ai une question, c'est Aton, Moïse, est-ce que tu fais un lien entre les deux ou pas? Moi, dans le livre... Akhenaton et Moïse. Oui, oui. Oui, c'est que moi, j'explique dans la véritable Bible de Moïse, c'est que historiquement, Moïse n'a jamais existé. Ça veut dire dans avant l'époque ptolémaïque, il n'y a aucun document qui parle de Moïse. D'accord? C'est à cette époque que ça apparaît, même dans les papyrus araméens d'Éléphantine. Donc, pour expliquer rapidement, quand Nabucodonosor va envahir la Judée, donc il y a des Juifs qui vont s'enfuir en Égypte. Donc, ce qu'on va appeler les Juifs d'Éléphantine. Et donc, on va les appeler aussi des judéo-araméens. Et dans les documents qu'on a retrouvés, les papyrus, à aucun moment, ils n'évoquent ni la Torah, ni Moïse. D'accord. C'est quand même bizarre pour des Juifs. Et on a ça sur plusieurs dizaines d'années. Et on a trouvé des centaines de papyrus. Et Moïse est inconnu à aucun moment. Et pareil pour la Torah. Donc, ce qui prouve que ça a été une histoire inventée beaucoup plus tard. À l'époque ptolémaïque. Et donc, moi, ce que je dis, c'est que le personnage de Moïse, hormis quelques passages qu'ils ont pris dans la littérature babylonienne, comme l'exposition de Moïse sous le Nil, qui est apparemment le roi Sargon d'Akkad, et les lois mosaïques, c'est le code d'Hammurabi, ils vont s'inspirer de ça, l'histoire de la tour de Babel. Mais quand on va prendre l'histoire, la vie de Moïse, dans le livre, je donne au moins plus de 30 points de concordance avec l'histoire d'Akhenaton. Et donc, je dis que la vie d'Akhenaton a servi pour inventer la vie de Moïse qui n'a jamais existé. D'accord. Ok, c'est clair, au moins. Oui. Vous apprenez des choses, vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses. On va accueillir maintenant, sans plus tarder, Aïssata. Merci de ta patience, ma chère Aïssata. Et ensuite, on va donner la parole à Meyama Seba qui a fait un gros effort de venir. Merci à toi, ma chère Meyama. Aïssata, c'est à toi. N'oublie pas d'activer ton micro. Je parlais, il n'y avait même pas de micro. Ok. Et bonjour. Bonsoir à toi. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous, ici il est déjà... bonsoir. Bonsoir mon frère Jules. ok, je suis très heureuse d'être ici, je suis très heureuse d'être là avec vous. Avec M. Pierre Nilon, je félicite d'abord cette initiative. Ça fait quelques jours que je l'ai vu déjà passer, même Jules l'avait mentionné dans son... dans un de ses lives, son live de il y a quelques jours. Alors je ne voulais pas manquer à cette occasion. J'ai quelques petites questions. Je vais pas prendre. Je sais que vous on court derrière le temps. Je vais juste il y a toujours une question qui me reste dans ma tête depuis l'année passée. Et vraiment, c'est une occasion en or de la poser devant vous, monsieur Nilon. Alors, c'est celle-ci. Monsieur Kovi avait déjà mentionné dans un de ses lives, je me rappelle bien, et puis c'est vraiment resté dans ma tête, que vous étiez la réincarnation de Akhenaton lui-même. qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous pensez? Êtes-vous la réincarnation d'Akhenaton? C'est un peu compliqué pour vous expliquer les choses. Tout dépend des croyances. Il y a des gens qui vont croire en la réincarnation et d'autres pas. Personnellement, nos ancêtres y croyaient. Et donc, certaines personnes pensent que je le suis, quoi. Et bon... C'est vrai que c'est un personnage qui m'a toujours attiré, je ne sais pas pourquoi. Donc après, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Okay, mais personnellement, je ne fonde pas ma vie là-dessus, je vis ma vie. non,
Absolument. Donc, je me réveille pas le matin en me couchant en disant je suis Akhenaton. Donc voilà. Bien sûr. Non, je vous vois vraiment parler. Je vois parler avec beaucoup d'aise, beaucoup de Et puis ça confirme un peu ce que j'avais entendu, mais bon, c'est juste une petite question. Ma dernière question est de savoir, comme le frère Ice Joe, merci beaucoup pour ta question très pertinente. Il faudra peut-être, je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être ça existe, mais de former petit à petit comme une petite un petit groupe de savants, un petit collège de savants entre guillemets, dans le domaine d'égyptologie, de former un petit groupe peut-être de 5 personnes. Vous les formez en quelques matières, parce que je ne pense pas qu'on a plusieurs connaisseurs. On est kamit, mais c'est un peu en désordre comme ça. Il n'y a pas vraiment... peut-être que moi, je suis un peu nouvelle aussi, je ne sais pas, mais on dirait qu'il n'y a pas tellement d'écoles, entre guillemets, de savants. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous avez des écoles comme ça et comment rejoindre quelconque groupe que vous avez déjà? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup d'apprendre. Et de ne pas juste m'arrêter. J'aimerais vraiment apprendre et puis arriver à votre niveau, pourquoi pas. Merci. Là, ce que je peux dire, kamit, c'est un grand mot. Beaucoup de gens se disent kamit, mais quand vous voyez ce qu'ils font, je dis, il aurait mieux valu qu'ils restent dans leurs anciennes religions. Bon, être kamit, pour moi, c'est une renaissance. C'est-à-dire... on est une nouvelle personne, on a une autre vision des choses, on a un autre comportement. Oui. Mais dans la communauté Kamit, c'est là que j'ai vu le plus d'escroqueries en tout genre. Oui, c'est vrai. Ah oui, et donc même maintenant, je me dis même plus Kamit, parce que je ne veux pas être associé à ces gens-là. Une petite réaction, s'il vous plaît. No, God, please, no! Non. Et pour vous dire la vérité, vous voyez le livre, ce livre-là, quand je travaillais dessus, puisqu'il est sorti en 2016, quand je travaillais dessus, j'employais beaucoup le mot kamit pour parler de nous. Et quand j'ai vu ce qui se passait dans la communauté kamut, j'ai revu ma copie et j'ai enlevé le mot kamit. Je l'ai enlevé, tout simplement. Et quand je parle, je ne dis pas aux gens que je suis kamit. Parce que les gens, pour eux, être kamit, c'est savoir que Cheikh Diop a dit que les Égyptiens étaient des Noirs. Pour eux, ça se résume à ça. Vous voyez, un peu comme quand il y a eu le mouvement Rasta, il y a des gens, pour eux, être Rasta, c'était fumer un joint et porter un bonnet vert, jaune, rouge. Ils sont Rasta. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. C'est... Partout, il y a des dérives, vous savez. Et donc, dans la communauté, les gens, pour eux, être kémite, c'est prendre le nom d'un pharaon, prendre un pseudo. Il y en a beaucoup comme ça, c'est des personnages virtuels. Ils n'existent que sur la toile. Vous voyez? C'est des gens, des fois, ils ont un problème dans leur tête. Ils n'ont pas de métier, ils n'ont rien. Donc, ils existent à travers Internet. Il y en a qui n'ont pas de métier. Ça fait mal. Vous avez des gens, par exemple, qui ont des titres, mais au niveau de la recherche, zéro. Ouh, on ne va pas balancer de noms. J'ai envie, mais on ne va pas dans le Congo, ça. Donc, on ne va pas faire ça. Mais j'ai des noms en tête, effectivement. Là, il faut que je la repasse, celle-là. Effectivement. On va laisser la parole à... C'est pour ça, d'ailleurs, donc, moi, j'ai aucun groupe. À un certain moment, je donnais des cours de kamitologie en ligne. Mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai une famille. Donc, vous voyez, même là, j'ai pris en otage ma famille. Parce que, bon, quand je suis là, on ne peut pas rentrer. Il ne faut pas qu'il y ait du bruit parce que, bon, voilà. Donc, quand vous avez des enfants, ils ont besoin de s'exprimer. Donc, voilà. Et donc, préparer des cours tous les dimanches, c'était beaucoup trop pour moi. Et comme moi, je ne suis pas là pour monter du kémitisme business comme certaines personnes.
Donc, moi, j'ai un métier, je travaille pour gagner ma vie. Je n'ai pas besoin de couillonner mes frères en disant « Kémit, Kémit ». Non, je ne demande rien à personne. J'ai donné des cours. Quand j'ai vu que ça me prenait trop de temps, moins de temps pour ma famille, je me suis arrêté. Maintenant, si je n'avais pas un métier en main, si je ne gagnais pas ma vie, peut-être que je serais devenu escroc, mais je ne crois pas. Par rapport à l'éducation qu'on m'a donnée, on m'a appris la valeur travail. Et les gens avec qui je travaille, ils peuvent témoigner. Je travaille, j'aime ça, j'aime travailler. Que ce soit au niveau de mes recherches, je me donne à fond. Que ce soit professionnellement, je me donne à fond. Parce qu'on ne peut pas venir dire, oh, les Kémites, on a fait ça, 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 ça. On a fait des pyramides et nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que Kémites? Des escroqueries. Pierre, il rigole. C'est vrai, c'est pas bon du tout. Pierre, c'est pas bon du tout. Donc, Kémite, c'est une renaissance. C'est-à-dire, l'ancienne personne n'existe plus. On est une nouvelle personne. Donc, c'est déjà une démarche spirituelle. Voilà. Ça fait mal. On va. En tout cas, là les gars... Où peut-on acheter vos manuels? Pardon, je ne vais pas vous couper la parole, Shango. Où peut-on trouver vos manuels exactement? Parce que sur Amazon, on dirait qu'il n'y a pas de... J'ai aucun livre de disponible parce que, bon, comme j'ai expliqué, mon premier livre, c'était Moïse l'Africain. C'était aux éditions Ménébuc. Bon, j'ai eu un problème avec cette édition qui n'existe plus depuis. D'accord? C'est encore des frères. Et donc, j'ai eu des problèmes pour récupérer mes droits d'auteur. Je n'étais pas le seul. Et donc, depuis, le livre n'existe plus. Donc, même le support que j'avais donné, paraît-il que ça a disparu dans un incendie. Donc, du coup, si je veux rééditer le livre, il faut que je recommence à tout taper. Donc, comme moi, je ne suis pas là pour gagner de l'argent, donc je l'ai sorti, les gens qui l'ont, ils l'ont, tant pis pour les autres. Il fallait l'acheter quand c'était disponible, d'accord? Ensuite, j'ai sorti un deuxième qui est aux éditions Annie Boué, que je n'ai pas de nouvelles, mais bon, ça, c'est autre chose aussi. Et j'ai fait le troisième à compte d'auteur, donc j'ai sorti un certain nombre que les gens qui l'ont acheté, ils l'ont acheté, mais je ne suis pas là pour faire du business. Bien sûr. Bon, je ne suis pas là pour éditer des livres, me déplacer pour les vendre ou alors faire confiance à un frère et puis après demain, on sera fâché parce que bon, dès qu'il aura un billet de 100 euros, il va perdre la tête pour si peu. Donc, je préfère en rester là, quoi. Les amis, je tiens à vous renvoyer sur la vidéo que j'avais publiée sur les charlatans dans ma chaîne. Allez la regarder. Et d'ailleurs, je vais mettre le lien dans la barre de description à la fin de cette émission. J'aimerais qu'on fasse tourner un peu la parole parce qu'il y a Meyama qui attend patiemment. Merci pour ta patience, ma chère Meyama. La parole est à toi. Active ton micro. On t'entend pas, Meyama. Active ton micro. Jules, je t'ai vu, ok, il n'y a pas de problème. Meyama, on ne t'entend pas, ton micro n'est coupé. En attendant que tu réactives ton micro, je vais faire réagir Jules. Jules doit s'en aller. Donc, voilà. Elgan... Ah. Voilà. Ok. Bon. Jules, alors, désolé. Bonsoir. J'appelle bonsoir. Madelina, l'île aux fleurs, le pays à côté de voilà. Nyon et de Shango. Voilà, il fait bon, voilà. Eh bien, c'était pour remercier Pierre, parce que d'ailleurs, moi, je l'ai eu, il m'a dit que il a disparu de la série, qu'on ne va plus l'entendre. Et puis, je joue mon portable comme ça, j'étais dehors. Je vois Pierre Nyon. J'ai dit, quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Il m'a dit, on ne le verra plus. Et je le vois. Ah, j'étais contente. Parce que je peux dire que c'est grâce à lui si j'ai progressé dans ma vie spirituelle. Parce que je l'ai rencontré, j'ai fait sa connaissance, comment je vois. Oui, c'était sur YouTube. Et puis, il avait fait un livre, et je voulais ce livre. Et j'ai pu joindre un ami à lui qui s'appelait, j'ai oublié son nom là. Bon, en fait, c'est aussi un égyptologue en Guadeloupe. Et puis, c'est comme ça que j'ai pu avoir les livres, justement, Moïse l'Africain. Et puis, l'autre que tu as parlé. La véritable parole, la prière et enseignement. Oh là là. Alors, ce livre-là, non. Ça a tout fait tomber. Ce livre-là m'a libéré, parce que la manière qu'il parle de ça, mes amis, non, c'est trop merveilleux de voir comment on était trompés par la Bible, avec leur Jésus, avec leur Moïse, avec les Hébreux. Parce que moi, à un moment, on croyait qu'on était Hébreux. Hein. Au moment où j'ai rencontré Pierre, j'étais Hébreux. Je croyais que j'étais Hébreux.
Et c'est Pierre qui m'a éclairé. C'est moi, cet homme-là, pour moi, c'est mon maître. Et c'est grâce à lui, je me suis tournée vers le vaudou, parce que je sais qu'il est vaudouisant. Et depuis deux ans, je prends des cours de vaudou, un enseignement avec un maître aussi, pour pouvoir m'initier au vaudou. Vaudou. Et je suis contente parce que je peux dire qu'il a marqué ma vie, Pierre. Et jusqu'à maintenant, dès que j'ai un truc, il faut que je l'appelle pour lui poser des questions parce que je sais qu'il est honnête. Et ce que j'aime avec lui, c'est qu'il ne cherche pas la gloire. Il n'a jamais recherché la gloire, à être admiré, à être... Il s'éloigne comme ça. Il y a quelque chose qui s'éloigne. Et ça, pour moi, c'est un vrai. Et c'est pourquoi j'aurai toujours confiance en lui. Et je te remercie, Pierre, de ce que tu m'as réjoui. Parce que je t'ai vu, c'est comme si c'était le soleil qui est tombé dans ma maison. Parce que tu m'as dit que tu ne vas plus parler, tu ne vas plus rien faire. Et oui. C'est décevant. J'étais un peu déçue. Moi, j'ai dit, tu as trop à donner. Parce que c'est grâce à toi si j'ai progressé dans ma vie, Camille. C'est grâce à toi. Je peux te dire franchement, j'étais quelqu'un de 43 ans dans l'église. Et aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas comment je suis devenue là. Mais je sais que ma vie a changé. Et c'est vrai ce que tu as dit. C'est un changement. Parce que je peux dire que là, ma vie a changé. Mais quand j'étais dans le christianisme, non, ma vie n'avait pas changé. Non. Je peux dire que même dans ma vie a changé, je sais qui je suis. Et ça, je peux dire que tu es un peu responsable. Voilà. Merci. Alors, je t'embrasse, je vois ta famille. Oui. Et puis, au plaisir, au motum des deux. Oui. J'étais contente de t'entendre, parce que dès que je t'entends, j'ai besoin d'entendre au motum des. Bon, enfin. Eh bien, je suis contente de vous avoir vu, Pierre, et j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Ben, comme tu dis, ben, je n'aime pas trop les réseaux sociaux. Parce que pour moi, tout ça, c'est virtuel. J'aime la vraie vie. Moi aussi. Et moi, j'aime faire des choses avec des gens qui sont simples. Et quand Shango m'a contacté, ben, j'ai regardé ce qu'il faisait et j'ai aimé sa façon de présenter, tout comme Jules Ngan aussi. Voilà. Oui, Jules Ngan, je l'aime bien. Et moi, bon, c'est j'aime. J'aime les gens qui sont vrais. Et avec eux, j'ai trouvé cette sincérité et c'est pour ça que j'ai accepté. Mais c'est vrai que bon, faire les réseaux sociaux pour moi, c'est beaucoup de sacrifices. C'est vrai que j'ai beaucoup à donner, mais bon, c'est que j'ai pas le temps. C'est ça aussi. J'ai pas le temps. Avec ta famille, c'est vrai. Ah ben, au plaisir de te revoir, je ne sais pas quand. Il n'y a pas de souci. Ou en France, je ne peux pas venir en France avec tout ce qui se passe, ça ne m'intéresse pas. Oui, je sais. Merci, Miyama, de ton intervention. Tu es la bienvenue, tu peux revenir nous voir quand Je reviendrai souvent, Shango. Je reviendrai souvent. Avec grand plaisir, tu fais partie de la famille, tu es la bienvenue. Ah oui, ça c'est clair. Merci à toi. Au revoir, la bien-aimée. Okay. À tous mes frères et sœurs que je vois là, je vous aime. Heureuse de vous avoir vu. D'accord. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. On va laisser Ngan conclure. Et un dernier mot pour tout le monde. On va laisser Ngan d'abord parce qu'il doit partir pour son live. Et ensuite, on va faire un dernier tour de piste pour vous tous, vos derniers mots de conclusion. Et on va libérer notre invité parce qu'il a des obligations lui aussi. Moi, je l'aurais gardé toute la nuit personnellement. Mais ça fait gourmand, ça fait vorace. Je voudrais bien, mais le problème, c'est que je me réveille à 3 heures du matin. On va regarder pour une autre fois. Donc, Ngan, c'est à toi. Merci beaucoup, merci à tous. Encore une fois de plus, merci pour ce live, professeur. Alors, je vais être très rapide. Le professeur a parlé de Kemit tout à l'heure. Monsieur Christian. Je vous invite à regarder un live qu'on a fait sur la métaphysique du mot Kemit. Ensuite, je voudrais rapidement plonger dans les langues. Je suis d'une région de l'ouest du Cameroun, dans les graphies, et d'une région un peu plus au centre, les Bassa. Et chez les graphies, qui sont considérés comme étant les populations les plus proches au niveau génétique de ces anciens peuples dont on parle, il s'avère que la nomenclature est vraiment assez précise. Vous trouvez le Noun là-bas, vous trouvez le Nkam là-bas, pour ne que citer cela. Concernant le Nkam, concernant le Nkap, également qui est l'argent, on peut dire Nkap, on peut dire Nkam,
Et en fait, ça fait appel au travail. Ça fait appel au salaire. Ça fait appel à la récompense. Ça fait appel au niveau métaphysique à ce que le professeur disait tout à l'heure. Je ne sais pas s'il faisait un rapport direct avec ça, à la réalisation. C'est-à-dire que le Nkam, c'est l'homme réalisé, l'homme qui s'est reconnu. J'aime souvent donner cette image parce que mon grand-père m'en parlait souvent et ça fait résonance ces jours-ci dans ma psyché. L'homme réalisé, c'est quoi? Vous prenez une graine. La graine contient en elle la vie, contient en elle l'arbre, contient en elle toute une forêt. Cette graine qui se réalise redonne, germe, grandit et redonne elle-même, donc d'autres graines, mais de façon démultipliée. C'est la symbolique. Donc, cette notion de se reconnaître en réalité, c'est de faire le chemin inverse qui te permet de savoir qui tu es. D'où cette notion de spiritualité dont le professeur Yannilon parlait. Et en fait, il faut bien comprendre quelque chose. Notre problème n'est pas que nous n'avons pas le potentiel. Notre problème est que nous nous rejetons de façon permanente parce que le paradigme des autres est plus attrayant, est plus attachant, est plus alléchant que le nôtre. Précisément parce qu'il y a eu cette notion d'aliénation. On en parle souvent. Donc, je tenais juste à préciser ça. Autre chose très rapide que je voudrais donner comme élément. On parle de réincarnation. Alors, je compte faire des documentaires sur la télé sur lesquels je ferai des démonstrations. Mais je ne vais pas dire « je », c'est mal dit. Les éléments permettant à l'être de savoir qu'il y a la réincarnation, je vous les donnerai. Mais je vous donne quelques exemples. L'Occident, quand ils ne savent pas expliquer quelque chose, ils vous parlent du hasard, ils vous parlent de la chance, ils vous parlent de je ne sais pas quoi pour expliquer. Je prends l'exemple sur ma personne et j'ai d'autres exemples que je peux prendre et je m'arrête à ça. Quelqu'un qui fait de la peinture, j'ai donné des cours de peinture, je n'ai jamais appris la peinture nulle part. Je dis toujours aux gens, tu me mets n'importe quel, et un jour on s'amusera à faire l'exemple, tu me mets n'importe quel ton de couleur, je te le reproduis. On est même arrivé jusque dans les magasins où on fait souvent le mélange de couleurs, que je dis au monsieur, ta couleur que tu vas mélanger là, même avec ta machine, ça ne va pas donner. Et ils étaient très étonnés. Et en fait, cette chose-là ne vient pas de rien. C'est parce que dans mes vies précédentes, je suis quelqu'un qui a fait de la peinture, qui a donné des cours de peinture, qui me suis intéressé à ces choses qu'on appelle la peinture. Donc, quand tu reviens avec ton bagage, qui est en réalité une énergie, donc qui est un magnétisme, qui est en toi, qui n'est pas toi physiquement, qui est ce qui habite cette chose, eh bien, ça coule de source. Donc, je vais vous faire une déclaration qui peut paraître osée. Oui, il y a l'énergie d'Akhenaton dans le professeur Pierre Nilon. Je sais que c'est gênant, je sais que ça le gêne de dire ça, et je sais que beaucoup en rigolent souvent quand on parle de ça. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un fait de hasard si le professeur Pierre Nilon est aussi à l'aise avec ces choses. Parce que figurez-vous que les langues du continent, de la terre-mère, lui sont plus ou moins étrangères, même s'il maîtrise le médonétier. Par contre, la chose dont il parle, quand on parle des questions, quand il parle de son énergie, de cette énergie qu'il habite, mais il sait de quoi il parle en fait. Donc ce n'est pas quelque chose qu'il est en train d'apprendre, c'est quelque chose qu'il est et qu'il manifeste en fait à travers ce que vous êtes en train de voir. Ça c'est une petite information qui, lorsque vous avez vécu ce qu'ils appellent des manifestations paranormaux, vous comprenez ça tout de suite. Mais je voulais juste m'arrêter à ça pour vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Celui qui est en train de s'exprimer exprime son potentiel, exprime ce qu'il est, exprime l'énergie qui l'habite. Vous appelez ça comme vous voulez, la réincarnation d'Akhenaton, la réincarnation de ceci, d'un peintre, de tout ce que vous voulez. Et eux, en Occident, ils appellent ça des dons. Ça n'existe pas un don. Si tu as appris, tu as appris. Tu n'as pas appris, tu n'as pas appris. Tu es ou tu n'es pas la chose. Et au niveau de la modestie, celui qui n'est pas montre qu'il est. Donc, il fait semblant de manifester ce qu'il n'est pas. Or, celui qui est n'a pas besoin de justifier qu'il est. Et donc, naturellement, il reste tel qu'il est et il n'a pas besoin de parure. Donc, on n'est pas dans l'apparence quand on est ce qu'on est. C'est la dernière phrase que je voulais vous donner. Je vous en remercie. Je remercie Seba, je remercie Dominique. Ice Joe, bonsoir, merci. Professeur Pierre Nilon, Yannick, Shango, Aïssata, merci pour tes conseils. Je t'écouterai
très fortement la prochaine fois. Allez, je vous embrasse tous. Je vais devoir vous laisser une fois de plus. Merci, professeur. Merci, mon cher Pierre, mon cher, pardon, Jules Ngan, tu reviens quand tu veux. Merci, merci Jules, et bon live. On va, le mot de la fin pour vous tous, on va donner la parole à Yannick. Yannick, c'est à toi. Oh ben, en tout cas, je remercie encore le professeur Pierre Nilon, hein, et tous les panélistes qui sont sur le, excusez-moi la répétition, sur le panel. Honneur aux dames, hein, à Meyama, Dominique, Aïssata et mon frère Ice Joe. En fait, ce que je tenais à dire, et disons, c'est, ça me fait un peu de la peine quand j'entends dire que bon ben, les supports ont été perdus, les supports des écrits de professeur Nilon ont été perdus du côté de Ménéabuc. Bon, c'était perdu de manière mystico, je sais pas trop quoi. C'est vraiment dommage. Et en fait, ce qu'on aurait peut-être souhaité, c'est que bon, ben, sur le long terme, bon, Ice Dio, bon, Shango, bon, on est plus ou moins dans la même branche. Ça aurait été que, par exemple, lorsque le professeur ait fait ses écrits, hein, que ce soit validé et tout ça, après que ces écrits-là soient indexés quelque part au niveau informatique, de telle sorte que bon, ben, c'est, l'indexation de ces informations-là soit on va dire clusterisé dans différents endroits, de telle sorte que ceux-ci ne puissent pas être volés, ni être perdus, ni être malencontreusement effacés. Mais bon, ça sera un autre débat que l'on pourra voir peut-être en off un de ces quatre matins. En tout cas, après, professeur Nilon, merci beaucoup encore. 10 000 fois merci. C'est moi qui vous remercie. On est sur le début de l'aventure, mais en tout cas, tenez bon, ne vous découragez pas, même si vous travaillez avec un certain nombre de personnes qui peut-être ne se manifestent pas. Comme disait encore Ice Joe tout à l'heure, même si vous êtes que deux ou trois, c'est largement suffisant pour commencer. Après, viendront s'agréger ceux qui veulent s'agréger. Sinon, le reste, bon, ben tant pis pour eux, quoi. Hein. On avance. S'il faut attendre toute la masse pour avancer, on n'ira nulle part. En tout cas, merci beaucoup à vous. Je reste sur la fin de l'émission, mais en écoutant tous les autres aussi. Merci, merci, merci. Merci Yannick, merci de tes bons mots, c'est entendu. D'ailleurs, j'en profite rapidement pour lancer un petit appel. Si vous connaissez dans votre entourage des éditeurs sérieux, évidemment dans la communauté sérieux, dites-leur de venir me voir et je les mettrai en contact avec Pierre. Moi, c'est vrai que des livres comme ceux de Pierre sont très, très intéressants et il ne faut pas qu'ils soient perdus. Donc voilà, je relancerai l'appel un petit peu plus tard. Ice Joe, je te laisse ton mot de la fin. Ensuite, on va donner la parole à Aïssata, Dominique et Meyama. Oui, vraiment, comme d'habitude, un très beau live. Excellente présentation du professeur Pierre Nilon. Excellent panel. J'ai eu un petit pincement quand même avec la déception de qu'a eu Pierre Nilon par rapport à... Enfin, en fait, en général, quand on entre dans une communauté où on voit des gens parler, ils parlent bien, ils font des trucs, on se dit Camille, voilà, on se dit, c'est des gens qui ont vraiment le combat à cœur tel que nous on l'a. Mais c'est on se trompe. En fait, c'est quelque chose qu'on a tous eu à un moment donné de notre parcours de conscientisation, d'auto-éducation. Hein. Donc, j'ai eu un petit pincement, bon. Mais il y aura d'autres après quand on s'est trompé, quand on a fait une erreur ou quand on s'est fait truander, il y a toujours d'autres possibilités de rebondir. Mais étant plus sage, étant 3 fois, 4 fois, 10 fois plus sage pour éviter et savoir détecter ce genre de personnes. Et puis il a aussi évoqué le mot kamit qui aujourd'hui est vraiment bon. On l'emploie, c'est facile de prononcer un mot, hein, mais ce n'est pas facile de l'être. Hein. On a déjà eu ce débat plusieurs fois. En réalité, le kamit tel, c'est une projection de nous-mêmes, c'est une projection de ce qu'on aimerait être, comme de se rapprocher de nos ancêtres au maximum. Mais je pense que dans notre génération, il y en a très peu. Et j'en connais pas, enfin, j'en connais peut-être sur les doigts d'une main. Moi-même, je n'en suis pas un.
au sens accompli du terme, au sens de mes ancêtres. Donc, je disais toujours que quand, sur une échelle de 0 à 100%, je suis entre 1 et 5%. Donc, c'est un processus. Pourtant, je suis là depuis des années, mais c'est quand on sait ce que c'est exactement qu'un kamit, on se calme parce que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait l'imaginer. Donc, entre nous aujourd'hui, on est de bonne volonté. Essayons de nous de détecter les bonnes graines parmi nous à partir de leurs actions, à partir de ce qu'elles ont déjà fait, pas à partir de la beauté de leur discours. Il y a des hommes d'action, il y a des femmes d'action dans la communauté qui font de très belles choses, d'excellentes choses. Et je pense que c'est à nous de redonner ces lettres de noblesse au mot kamit, parce que c'est un mot qui ne peut pas disparaître comme ça, c'est notre héritage. Et ce n'est pas parce que quelques canards boiteux emploient ce nom à tort et à travers qu'on va le jeter à la poubelle. Par contre, après, je respecte le choix du professeur Pierre Nilon. Il parle en connaissance de cause, ça se voit, il sait de quoi il parle. Et donc, voilà, c'était juste le petit pincement que j'ai eu par rapport à ça. Et puis, je pense qu'on doit se battre pour donner de la valeur à ce en quoi on croit et créer des réseaux entre nous pour qu'on sache vraiment qui est qui sont les personnes qui travaillent et qui sont celles qui ne travaillent pas. Je pense qu'on reconnaît la valeur d'un homme à partir de quoi il donne son temps, parce que le temps, c'est la vie. Hein. Un professeur comme Pierre Nilon qui donne son temps à l'écriture, je sais qu'il faut de l'organisation quand on a une famille. C'est un travail de fou, mais quand on est à l'extérieur, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas forcément compte. Mmh. C'est un travail juste, on va dire, même impossible. En fait, c'est le fait même de réaliser l'impossible dans un monde où tout est dilué. Donc, dans un monde un peu chaotique, surtout pour nous, en tant que communauté, on a plein de combats en même temps, on a plein de challenges en même temps et il faut choisir les bons. Et je pense qu'on doit rester optimiste, hein, malgré les coups qu'on reçoit. On doit aussi en donner, on doit esquiver. Et c'est ça le combat. Quand on est sur le ring, on prend des coups. Il faut s'attendre à prendre des coups, mais il faut aussi se préparer à en donner. Donc, nous, on est prêts à donner des coups. Et c'est un peu sur ça que je vais finir, et tout en remerciant encore mille fois le professeur Pierre Nilon pour la présentation qui était magistrale, qui était riche en connaissances. Moi aussi, j'apprends et c'était vraiment merveilleux. Et merci à tout le panel pour toutes les chances, les bonnes énergies et la bonne volonté de tout un chacun pour que les choses se passent bien. Je remercie particulièrement nos femmes, nos mères, nos sœurs qui sont là, les reines de notre peuple, parce que ce sont elles qui font la force de nos foyers, l'unité de combat de base. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Merci, mon cher Agio. C'est un plaisir de t'entendre. Merci à toi. Merci pour ta conclusion. On va laisser, évidemment, le meilleur pour la fin. On va laisser le meilleur pour la fin, c'est-à-dire nos trois sœurs qui en sont montées sur le live. On va vous laisser votre mot de conclusion. Ensuite, on va laisser le dernier mot. Et décidément, je suis tout ému. On va laisser ensuite le dernier mot de la fin à notre cher ami Pierre. Et puis, je vais conclure. Alors, on va donner la parole à qui a le moins parlé. Je crois que c'est Dominique. Il n'a pas parlé depuis un bout de temps. Donc, on va laisser la parole à Dominique pour donner son dernier mot de la fin. Et encore une fois, je te remercie de venir nous voir, ma chère Dominique. Oui. Alors, que dire ? Déjà que je reviendrai forcément, hein, parce que c'est une découverte pour moi, mais c'était assez agréable. Donc oui, je reviendrai. Et puis Pierre, égal à lui-même, hein. En fait, il discute aussi aisément qu'il a fait son intervention aujourd'hui. Donc je suis bluffée, effectivement. Il n'y a pas à dire, je suis bluffée. Que dire d'autre? Oui, que de toute façon, j'aurai un peu plus de temps maintenant d'aller sur les réseaux, puisque je suis en Guadeloupe et qu'avec les barrages, pour l'instant, je ne travaille pas. Donc, on verra s'il y a des émissions aussi intéressantes à venir. Il ne faut pas hésiter. Bon, j'ai activé ma cloche, mais bon, ça a été un plaisir de croiser des gens de tout univers. La Martinique, le Canada, la France hexagonale, je ne sais pas pour Aizio. Ni je pour suis en Yannick. France, mais je suis du Cameroun. D'accord. Et Yannick? Moi, je suis ivoirien, mais je suis du côté du Luxembourg. D'accord. Donc, c'est encore un pays étranger. Et puis, Aïssata.
Je ne sais pas du tout. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis au Canada, dans la ville d'Ottawa. Ah, d'accord. OK. Donc, vraiment, là, j'ai fait aujourd'hui le tour du monde. Donc, c'est super. Merci, ma chère Dominique. Merci pour tes bons mots. À très bientôt, en tout cas. À très bientôt, avec grand plaisir. Tu es la bienvenue. On va donner la parole. Je bafouille aujourd'hui. Hein. C'est l'effet Pierre Nilon qui fait ça. Il a balancé tellement de bonnes choses que j'ai la tête qui tourne. On va laisser la parole à ma voisine de palier, Aïssata, parce qu'elle habite, si j'ai bien compris, à Ottawa. C'est pas très loin. Moi, je suis à Montréal. Donc, on aura l'occasion, évidemment. Et oui, je suis à Montréal. Et oui. Donc, on va devoir se voir, Aïssata. Tu ne peux pas. Absolument. Absolument. Je te laisse au mot de la fin. Je vous remercie, Chambo. Je vous remercie. Je vous remercie. Tu ne peux pas savoir à quel point ton émission. Je t'ai connu par rapport à. Comment on appelle Jules. Il y a quelques semaines. Voilà. Et puis, je suis très contente, en tout cas, de t'avoir connu. Je ne regrette pas. Et nous, on va se voir absolument physiquement et on va échanger. Si je me sens très seule ici à Ottawa, je ne connais pas vraiment des Kamites ici à Ottawa. Donc, je suis très, très heureuse. Et puis, vraiment, merci d'avoir invité Pierre Nilon. Tout à l'heure, j'ai regardé le live, j'ai dit, mais est-ce que je vais intervenir ou pas? J'ai dit non, je dois intervenir parce que c'est pas chaque jour qu'on peut rencontrer Monsieur Nilon. Mais je suis un peu choqué, même un peu déçu qu'on n'ait plus de manuel parce que c'est pas seulement pour que je lise moi, mais pour que les enfants que j'aurai un jour, que c'est pour donc mes neveux, mes nièces, pour les faire apprendre, pour les instruire. Tu vois, c'est pas seulement pour moi, mais donc je trouve ça dommage qu'il y ait plus de livres et que vous n'êtes plus intéressé à vendre. C'est pas l'effet de vendre, mais c'est de diffuser ce savoir-là qui nous manque un peu, je dois dire. Ça me peine un peu. Mais bon, ça va, je respecte votre décision. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura d'autres partages, parce que ce n'est pas le dernier live avec vous qu'on a aujourd'hui. Vraiment, j'aimerais vraiment que ça continue. Merci beaucoup, Monsieur Pierre Nilon. Et puis, je vous souhaite de bonnes choses. Et je remercie tous les papas qui sont dans ce live ici. Ice Joe, vraiment, je suis très content de t'avoir connu. Le frère Larjat qui est Yannick pardon qui est là et toi aussi Chango, merci beaucoup, je vous embrasse tous, merci beaucoup, merci à toi, merci. Avant de donner la parole, merci d'être venu, tu reviens nous voir évidemment quand tu veux. Juste avant de donner la parole à notre dernière panéliste, je voudrais juste réagir à Dépina, merci. Je ne connaissais pas cette BD, me dit vaguement quelque chose. Effectivement, Shango, Zeus et Raijin, ou Raiden, les trois dieux de la foudre et du tonnerre, l'un Yoruba, l'autre grec et l'autre japonais. Donc, mais évidemment, Shango est plus fort que ces gens-là, c'est évident. Hein, je ne dis pas ça parce que... Bon, bref. Alors, ma chère Meyama, le mot de la fin. Active ton micro, on va te laisser le mot de la fin et ensuite on va donner le dernier mot à notre cher invité avant de le libérer parce qu'il a des obligations, il a été patient, mais on ne va pas trop abuser. Ma chère Emma, c'est à toi. Eh bien, j'étais contente de voir Pierre Nilon et de voir mes frères parce que vous êtes mes frères, nous sommes sortis du même endroit. Hein. Kama, la terre brûlée. Et c'est une renaissance, en fait, que je vis. Et je le dis partout. Et j'étais bénie d'entendre ce que chacun de vous avait dit. Ce serait bien un jour qu'on se voyait tous. qu'on se voyait tous. Parce que c'est bien de parler par... mais moi, j'aime le contact humain. J'aime pas le contact comme ça. Bon, on est obligé. Hein. Mais c'est super qu'un jour, quand tout ça sera passé... Pierre Nilon, tu fasses quelque chose à Paris et on se retrouve tous là-bas. Qu'est-ce que tu en dis? Ce serait bien.
Mais en tout cas, j'ai beaucoup appris aujourd'hui encore avec ce que tu as parlé, ce que tu as dit. Parce que souvent, j'écoute, mais après, je réécoute plusieurs fois. Ou bien je le mets sur une clé USB et puis je le réécoute. Voilà. Donc, c'est merveilleux. Je suis contente de faire partie de ce groupe, de ce peuple kémite, on pourrait dire. Et d'être, d'avoir connu ta chaîne, Shango. Franchement, j'aime ta chaîne. Merci beaucoup. Les émissions sont très profondes et c'est une très bonne idée que tu as eu d'inviter mon frère de cœur et mon frère des îles, Kaokera. Voilà. Merci. Alors, je vous embrasse tous et puis je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci. Courage. Merci, ma chère Myriam. Bientôt, il y a des gens qui vont venir. Avec grand plaisir. À Canada. Courage. Merci, merci beaucoup de ton intervention. Pierre, c'est un plaisir, évidemment, de t'avoir reçu. Évidemment, ce ne sera pas la dernière fois. Il y a trop de savoir. Il faut partager, il faut donner un petit peu. Ah, ouais. On va laisser le dernier mot de la fin. Pierre, je vais te laisser le dernier mot de la fin. Ensuite, je vais te libérer. Si tu avais un dernier petit message à donner à la communauté, vas-y, on t'écoute. Ben, ça m'a fait plaisir d'être ton invité. C'est un honneur pour moi. C'est ce que je déplore, c'est que, comme j'ai dit, l'Égypte, c'est plus de 3000 ans d'histoire. Le règne d'Akhenaton, c'est insignifiant, c'est 17 ans. Et là, ce que j'avais préparé, je n'ai même pas pu partager avec vous un dixième. Donc, c'est pour dire que je n'ai encore rien donné, quoi. Et j'ai un manuscrit de au moins 850 pages qui prend notre histoire depuis le début jusqu'à, j'ai dit, à l'époque de Ptolémée. Donc, il y a de quoi faire. J'ai travaillé sur les médous, donc au niveau de la comptabilité, comment ils comptaient les chiffres, comment ils les vocalisaient, au niveau des pronoms personnels, des pronoms possessifs, tout ça, donc toute la grammaire égyptienne, tout se trouve dedans, avec les, comment on conjuguait les verbes aussi. Parce que c'est bien beau d'apprendre les médous, mais après, il faut former des phrases. Donc, c'est une langue un peu comme l'hébreu. Vous voyez, pendant longtemps, l'hébreu a été une langue morte. Et il a fallu attendre Eliezer ben Yehuda, qui au début, il a ressuscité l'hébreu. Donc, c'est une langue qui parlait juste avec sa famille. Et petit à petit, ben, ils ont créé l'académie hébraïque. Et maintenant, il y a tout un pays qui parle l'hébreu. Donc, nous, la langue de nos ancêtres, la langue pharaonique, qui s'appelle Ronkam, Ronkami, donc la langue des Noirs, on doit pouvoir ressusciter cette langue, puisque la langue se trouve dispersée un peu partout sur le continent. Donc, en faisant des regroupements, on peut ressusciter la langue. En plus, on a des documents, mais il faut se mettre au travail. Et donc, mon plus grand regret, ce serait de partir et de ne rien laisser pour mon peuple, quoi. Parce que la connaissance est une arme. Donc, une fois qu'on a la connaissance directe, comme dirait chez Cantadiop, on n'a pas besoin de passer par tel ou tel livre. Tout existe. Tout est en nous. Merci pour ces belles paroles. Ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Pierre, ce fut un régal, un plaisir sans borne que j'ai eu à te recevoir. Tu as été plébiscité, il y a eu plein de commentaires positifs. Les gens vraiment apprécient ta présence et ce que tu partages. Tu vois, tu as beaucoup d'amour, beaucoup de soutien. Alors, je relance l'appel. Si parmi vous, il y en a qui connaissaient des éditeurs afro sérieux, évidemment, cela va sans dire, prenez contact avec moi via ma chaîne. Et ça me fera plaisir qu'on puisse essayer de discuter, voir ce qu'on peut faire. Je tiens à vous rappeler au passage les livres qui m'ont aidé. Et oui, vous me connaissez maintenant, je ne peux pas parler dans mon émission sans parler de livres. Je vais donc vous représenter les livres qui m'ont aidé à préparer cette émission sous les conseils, évidemment, de Pierre Nilon. Le premier, c'est « Hymne et religion d'Aton ». Vous pouvez retrouver ces livres dans la barre de description, j'ai mis les liens. « Hymne et religion d'Aton ». Ou encore, vous pouvez aussi vous appuyer sur le traité d'Isis et d'Osiris de Plutarque, qui est très intéressant et qui se lit assez facilement, ou encore de Cyril Aldred, Akhetaton, roi d'Égypte. Et je vais vous mettre, de toute façon, les liens sont dans la barre de description de ce live, vous pouvez les retrouver sans problème. Alors les amis, on a une belle révélation que je ne vais pas révéler ici pour ceux qui arrivent trop tard et qui vont revoir le live. On a appris beaucoup de choses sur Akhenaton, on a appris effectivement
le titre, je ne l'ai pas volé, la vérité sur Akhenaton. Les amis, ce fut un plaisir, mais on va... les bonnes choses ont une fin. Hein, on va devoir laisser notre invité Pierre s'aller se reposer, s'occuper de sa famille. On ne va pas biser des bonnes choses, mais pour répondre à la question, oui, Pierre va revenir, évidemment, en fonction de son calendrier, de ses disponibilités. Il n'y a pas de problème, on va organiser une autre émission avec grand, grand, grand plaisir. Pierre, ce fut un réel bonheur de t'avoir parmi nous. Moi, franchement, des émissions comme ça... Bye, Pierre. Asantate. Merci. Asantate. Les amis, je ne vous retiens pas plus longtemps. Ce fut un grand bonheur, un grand plaisir de vous avoir. N'hésitez pas, si vous voulez soutenir la chaîne, vous voyez qui défile en bas, c'est le lien de la boutique The African Chronicles. Au lieu de faire des dons, vous pouvez carrément acheter un artefact du genre un mug, un t-shirt, un polo, quoi que ce soit. Si vous voulez soutenir la chaîne, faites-le de cette manière, ce sera plus facile. Et puis vous aurez un petit souvenir de la chaîne, les amis. En tout cas, ce fut un gros plaisir. Merci encore une fois, Pierre. Merci aux panélistes. Merci d'être venus. Les amis, vous le savez, on va refaire une autre émission bientôt, quand je ne sais pas encore. Mais ça va venir. Et vous le savez, comme j'aime à le dire, le savoir n'est utile que lorsqu'il est partagé. Vous étiez donc en direct sur The African Chronicle. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Merci. Merci. Bonne nuit. Merci. Merci beaucoup.